thank you Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission Checkpoint consacrée au cancer avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Rappelez-vous, la dernière fois, c'est la quatrième émission de Checkpoint qu'on fait avec la FRM. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé d'environnement et de santé. Si vous voulez retrouver cette émission, elle est sur la chaîne YouTube, euh, sur la chaîne YouTube de la FRM. N'hésitez pas à y aller. Je vous le disais aujourd'hui, on va parler du cancer, une émission Checkpoint euh, pour justement se mettre à niveau sur les enjeux liés au cancer et à la recherche contre le cancer. Moi, moi, je suis largué, j'ai besoin de m'y retrouver, et c'est pour ça qu'on a conçu cette, cette émission. J'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Valérie Le Marchandel. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. Comment vas-tu Je vais très bien. Je suis content de te retrouver sur Également. cette émission de Checkpoint, Rien Valérie. De te retrouver ainsi que toute l'équipe. Merci. Oui, on est, on est très content de, de, de vous proposer cette émission. Valérie, tu es la directrice scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale. Oui, Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est que la Fondation pour la Recherche Médicale Oui, bien sûr. Donc la, la Fondation pour la Recherche Médicale, la FRM, c'est déjà une organisation ancienne. Hein. Fondée en 1947, donc ça fait ouais. déjà un certain temps. Okay. C'est une organisation à but non lucratif, plus précisément une fondation, et c'est devenu avec le temps un acteur incontournable pour la recherche biomédicale publique en France aujourd'hui. Donc la FRM, en fait, sa mission s'articule autour de, de deux grands axes ouais. un soutien financier à des projets de, de recherche. Et ce qui caractérise la FRM, c'est un positionnement généraliste, c'est-à-dire que la FRM soutient. Tous les domaines de la recherche en biologie santé, sur toutes les pathologies. Vous n'avez et... pas des spécialités spécifiques non. dans certaines maladies, non, vous, vous faites la ouais, recherche on... médicale au e sens large. Exactement, okay. et on couvre aussi euh, ce qu'on appelle tout le continuum de la recherche, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, qui est une recherche qui n'a pas d'application euh, immédiate. immédiate, a priori, jusqu'à la recherche appliquée et clinique, euh, qui a à une application, bien sûr. On accompagne aussi les chercheurs tout au long de, de leur carrière. Et le deuxième axe de notre mission, c'est une mission de sensibilisation des publics et notamment du grand public à l'importance de la recherche biomédicale et à la nécessité de soutenir cette cause. Euh, tu l'as dit, la, Féders, la Fondation pour la recherche médicale est une fondation, oui. c'est donc une organisation à but non lucratif. Exactement. Vous n'êtes pas l'État, vous n'êtes pas non plus une entreprise, un laboratoire, un, un laboratoire pharmaceutique, non, vous êtes une fondation. Euh, vous collectez des dons et vous financez de la recherche, c'est ça Exactement. Donc une fondation indépendante financièrement qui effectivement n'agit que grâce euh, à des dons privés, donc qui émanent soit de particuliers, d'entreprises partenaires ou encore de, euh, de testateurs, c'est-à-dire des gens qui lèguent tout ou partie de leur fortune oui. à la fondation. Et c'est une part très importante de les lèguent, oui. Il faut vraiment leur rendre hommage. Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est les mm. personnes, les legs. Hein, je vous rappelle, les personnes mm. qui décèdent et qui dans leur testament disent que voilà, je souhaite que tout ou partie de ce que je possède mm. aille à la recherche contre euh, la maladie. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Combien de recherches vous financez comment comment, as, comment comment rendre visible et tangible ce que ce que fait la FRM en termes de nombre, en termes oui, de bah, quelques, quelques chiffres qui sont assez euh, qui euh, sont assez marquants. Là, depuis euh, quelques années, on finance euh, chaque année environ entre entre 400 et 450 nouveaux projets de recherche, là encore, dans tous les domaines, partout Donc, en France. En plus des précédents Oui. <laughs> D'accord. En cours, on a à peu près 1300 à 1400 projets en cours de financement. Wow. Et l'engagement financier annuel, au total, autour de, ces dernières années, c'est autour de 50 millions d'euros. Pourquoi on a eu envie de faire ce live aujourd'hui, Valérie On a eu envie de se faire ce live, et, et, et comme les précédents, et j'espère de futurs, pour, pour effectivement... Euh, sensibiliser euh, le public et notamment ton public, Jean, donc les plus jeunes, mmh. euh, à l'importance de la recherche et, euh, et à la nécessité de la soutenir. Et notre but, c'est vraiment dans ce cadre de, de, de ce live, de, de parler de la recherche en train de se faire, de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas encore, des questions que se posent encore les chercheurs, et surtout de donner la parole à des experts, aux gens qui savent, en fait. – Absolument, et ils vont, euh, ils mm -hmm. vont pas tarder à arriver en plateau. Avant ça, est-ce que tu peux me dire quelle est l'actualité de la, de la FRM Depuis la rentrée de septembre dernier, il s'est passé plein de trucs. Oh, – Oui, il s'est passé plein de trucs, elle a été très très riche. En septembre, nous avons eu notre campagne annuelle sur la maladie d'Alzheimer, c'était la septième année, une campagne qui est vraiment dédiée à, justement, à sensibiliser à cette, à cette cause et la nécessité de soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et je rappelle euh, qu'on avait fait une émission de checkpoint sur Alzheimer que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la FRM. Ouais. Exactement, septembre dernier. Euh, en octobre, on a enchaîné avec, dans le cadre de d'Octobre Rose avec une sensibilisation au un cancer du sein. Voilà, Partager les espoirs que permettent les avancées de la recherche et puis aussi la nécessité de, de, de continuer à soutenir la recherche pour prendre en charge les notamment les, euh, les patients, et les, enfin les patientes et les patients, puisqu'il existe aussi des hommes touchés par la, la maladie, euh, qui malheureusement ont des, des formes très difficiles à traiter. Et en novembre, là, on enchaîne sur une actualité euh, sur la, la, la maladie de Charcot, euh, qu'on appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurodégénérative, euh, fatale malheureusement, pour laquelle ouais. on n'a plus aucun traitement curatif, et qui, euh, qui touche les personnes plus jeunes. Donc une et bah, une, grosse, actualité, une oui. grosse actualité et Checkpoint aujourd'hui, merci beaucoup Valérie, on te retrouve un petit peu plus tard euh, dans l'émission pour euh, parler de l'actualité de la recherche euh, contre le cancer, euh, je, vais te, laisser, euh, je vais te laisser y aller, on te retrouve tout à l'heure Valérie merci, merci. d'avoir été avec nous euh, et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau des chercheurs exceptionnels qui ont accepté notre invitation, installez-vous je vous en prie, je vais vous présenter euh, avant ça, je vous rappelle que vous qui nous regardez en direct sur Twitch, vous pouvez interagir dans le chat n'hésitez pas à euh, nous dire ce que voilà, si vous avez des questions à poser à nos chercheurs, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des témoignages aussi, je sais que le cancer est une maladie qui touche. Une grande partie de la population, ne serait-ce que par vos proches, qui peuvent être concernés par cette maladie. Donc, n'hésitez pas à témoigner, évidemment. Vous êtes avec nous sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Checkpoint deux chercheurs. Euh, merci à tous les deux euh, d'avoir accepté de venir sur le plateau. On est avec Laurent Lecam. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent. Tu es directeur de recherche de l'équipe oncogénèse moléculaire à l'INSERM, à l'Institut de recherche de cancérologie de Montpellier. Et tu es également membre du conseil scientifique de la FRM. Euh, la mission euh, est d'examiner les demandes de financement. Reçu par la FRM, c'est la mission de ce conseil scientifique euh, qui euh, voilà, donne son avis sur les demandes de financement euh, qui arrivent. Merci Laurent d'être avec nous. Très heureux euh, de t'accueillir sur ce plateau. On est également avec Fatima euh, Mejta-Grigoriou. Merci Fatima d'être avec nous. Merci Jean pour l'invitation. Merci à toi. Tu es directrice de recherche de classe exceptionnelle à l'INSERM, directrice du laboratoire Stress et Cancer à l'Institut Curie, directrice adjointe de l'unité U830 dédiée à l'étude de la biologie des cancers et coordinatrice du RHU Cassiopeia qui vise à développer des applications directes de vos découvertes en recherche fondamentale au profit des patients. J'ai lu ma fiche, je vous l'avoue, parce que je découvre le monde de la recherche, moi je connais assez peu. Euh, merci à tous les deux d'être avec nous. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Justement, pour essayer de commencer à vulgariser, euh, Laurent, je viens de te présenter, mais qu'est-ce que tu fais concrètement C'est quoi ton travail donc mon travail au jour le jour, c'est de coordonner une équipe de recherche en fait, qui travaille effectivement sur le, sur le cancer. On travaille plus particulièrement en fait, sur, euh, sur plusieurs pathologies cancéreuses. On y reviendra tout à l'heure. C'est généralement euh, classifié par organes. Quoi, hein, donc c'est le mmh. type de cancer. Et ouais. ce qu'on essaie de chercher à comprendre, c'est ce qu'on appelle la reprogrammation euh, métabolique des cellules, c'est-à-dire en gros leur capacité à utiliser différentes formes de nutriments pour se nourrir et croître. D'accord. Euh, Fatima, toi aussi, tu diriges un laboratoire de recherche Oui. Oui, moi je dirige un laboratoire de recherche et nous on s'intéresse euh, à des cellules qui sont normales mais qui participent au développement tumoral, qui participent au développement cancéreux. On va revenir un petit peu dans le détail on va y pour expliquer suite, ouais, ouais. en fait euh, aussi aux, aux, aux spectateurs qu'effectivement un cancer. Il y a des cellules cancéreuses, mais il y a aussi d'autres cellules qui, qui sont, sont hein. détournées par les cellules cancéreuses à leur profit et qui, euh, qui en fait. Euh, et donc, nous, au laboratoire, on étudie euh, ces populations euh, cellulaires normales, mais qui sont effectivement utilisées par les cellules tumorales pour favoriser les métastases, pour favoriser euh, le développement tumoral. Et en fait, c'est ça le RHU Cassiopeia que tu mentionnais tout à l'heure. C'est donc ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est de cibler ces populations qui pour l'instant sont pas encore ciblées sur le plan thérapeutique et de proposer des essais cliniques ouais. euh, aux patientes atteintes de cancer. Tout à l'heure, Valérie a parlé du continuum de recherche qui va de la recherche fondamentale jusqu'aux applications cliniques. Vous vous situez où dans ce continuum tous les deux donc, alors vrai. moi, je me je suis vraiment à l'interface. C'est-à-dire je fais de la recherche très fondamentale, ouais. mais qui associe en fait à la médecine. J'ai des médecins dans mon laboratoire, mais également euh, de, de la biologie et de la bioinformatique. Donc, en fait, on est très interdisciplinaire. Ma recherche est fondamentale, mais également translationnelle, qui vise en fait à être directement appliquée aux patientes. Et donc, c'est grâce à ce biais d'interaction avec les médecins qu'on peut redonner ensuite et créer des essais cliniques sur la base de nos recherches. – D'accord. Laurent, toi aussi ?– On se situe à peu près dans la même logique en fait de ouais. travail, tous les deux, mais de plus en plus de laboratoires sont en fait dans ce continuum-là, c'est-à-dire qu'on essaye de mieux comprendre la biologie de ces cellules pour essayer de proposer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Pour certains d'entre nous, on arrive à les proposer juste à des essais cliniques, plus ou moins avancés. Mais c'est vrai que ce continuum-là, il est essentiel. Et la présence des médecins dans ces équipes de recherche est essentielle. Aussi. Je précise tout de suite que ni l'un ni l'autre, vous n'avez des patients. Vous n'êtes pas en clinique, non. comme on dit. C'est-à-dire vous n'êtes pas au contact immédiat des patients. Vous travaillez dans des laboratoires de recherche. Oui. Euh, mais vous travaillez en lien, évidemment, avec, euh, avec, euh, avec des médecins, comme vous venez de le dire. On va rentrer dans le dur tout de suite, les amis, parce que moi, j'ai besoin de comprendre, c'est quoi... Quand on parle du cancer, de quoi, quoi est-ce qu'on parle C'est une maladie C'est un type de maladie C'est quoi Lequel des deux veut se lancer Fatima. Bon, en fait, comme tu le dis, le, le, le cancer, c'est vraiment. La, la définition d'un cancer, c'est un type cellulaire qui va se multiplier de façon totalement anarchique et incontrôlée. Ça, c'est effectivement la base du développement cancéreux. Mais associé à ça, il y a plein d'altérations génétiques qui peuvent intervenir. Donc il y a plein de types de cancers différents ah, qui en fait ne doivent pas en fait être considérés de la même façon ni traités de la même façon. Donc ça c'est le premier point. Donc on sait souvent quand même qu'un cancer du foie va pas être exactement le même qu'un cancer du poumon ou un cancer du sein. Mais même dans les cancers du sein par exemple, il y a différents types de cancers qui doivent être traités différemment. Donc en fait, on ne parle pas d'un cancer mais même pour une même étiologie, même pour un même organe, mais on va parler des cancers du sein, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a un impact direct sur les traitements. Ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, on a souvent tendance à classifier les cancers par les organes touchés. Cancer de la prostate, cancer du sein, cancer de la gorge, cancer des poumons. Euh, et toi, ce que tu nous dis, c'est que même à l'intérieur d'un même organe, il peut y avoir différents types euh, de cancers. Euh, ok, j'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà des questions sur le dépistage du cancer. Vous avez parfaitement raison. C'est un angle extrêmement important de la lutte contre cette maladie. On a prévu d'y consacrer une partie de l'émission tout à l'heure. Restez avec nous, euh, on, va, on, on va en parler. On continue dans cette définition, dans cette remise à niveau de, de nos connaissances sur ce que c'est que le cancer, le vocabulaire, quand on parle de cancer, est un vocabulaire très riche. Avant de parler des différents mots, des différentes myriades de mots qui existent, du nuage de mots qui existent autour de la cancérologie, on a une petite vidéo à vous diffuser, une vidéo de la Fondation pour la recherche médicale, justement qui s'intéresse à qu'est-ce qu'un cancer. On la regarde et on en parle juste après. Le corps est constitué de milliards de cellules chacune ayant sa mission. Ces cellules interagissent entre elles, se nourrissent et meurent. Elles ont donc besoin de se renouveler régulièrement. On parle de division cellulaire. Au cours des multiplications successives, des mutations génétiques peuvent apparaître au sein d'une cellule. Certains facteurs favorisent même leur apparition. Ces mutations sont la plupart du temps aussitôt réparées, mais certaines passent entre les mailles du filet. Une succession de mutations non réparées dans une cellule peut entraîner son dysfonctionnement et parfois sa prolifération anarchique sous forme de tumeurs malignes ou cancers. Attention, toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses. Certaines tumeurs sont dites bénignes, ce sont des amas de cellules non cancéreuses avec très peu de mutations qui se développent localement et lentement, sans aucun risque de récidive si elles sont enlevées complètement. Le cancer est parfois particulièrement agressif et des cellules cancéreuses peuvent s'échapper de la tumeur seules ou en groupe. Elles migrent alors à un autre endroit de l'organisme, parfois vers d'autres organes, et forment des extensions tumorales appelées métastases. Il n'existe non pas un, mais des cancers. Ils varient selon les mutations, mais aussi selon l'organe et les tissus touchés, et suivant le profil du patient. Sans compter qu'au sein d'une même tumeur, plusieurs populations de cellules aux propriétés différentes cohabitent. Et la complexité ne s'arrête pas là. Une tumeur évolue aussi au fil du temps. Certaines cellules cancéreuses vont acquérir des propriétés, leur conférant une résistance aux thérapies utilisées, ou encore une capacité de migration plus importante. C'est pourquoi il est essentiel de personnaliser la prise en charge et d'adapter le traitement à chaque cancer. Grâce à la recherche, des nouveaux traitements révolutionnaires ont été mis au point ces dernières années. Des thérapies ciblées, qui visent des mécanismes moléculaires spécifiques de la tumeur ou encore des immunothérapies, qui consistent à aider le système immunitaire à éliminer de lui-même les cellules tumorales. Mais il faut poursuivre les efforts pour identifier des facteurs de risque afin de mieux les prévenir, pour mettre en évidence des biomarqueurs pour un diagnostic toujours plus précoce, gage de meilleures chances de guérison, pour comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans la cancérisation pour développer des thérapies innovantes, pour explorer les phénomènes de résistance au traitement pour les contourner. De nombreux défis restent à relever par les chercheurs pour demain diagnostiquer plus tôt certains cancers et offrir un traitement efficace à tous les patients. Contre le cancer, la recherche avance. Mobilisons-nous pour l'accélérer encore. La FRM soutient chaque année près de 400 projets de recherche sur toutes les pathologies. Faites un don sur frm.org. Voilà une petite vidéo de la FRM pour essayer de nous, nous, nous remettre au niveau, mais on va quand même continuer à faire ce travail de vulgarisation. Euh, moi j'en ai besoin en tout cas. Euh, de quoi on parle quand on parle de, de tumeur, par exemple Tumeur, j'ai cru comprendre, c'est un amas de cellules particulières. C'est un, 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 un synonyme de cancer. Ok, d'accord. Il n'y a pas de grande différence, je veux dire, entre les deux. Si ce n'est qu'effectivement, on, on distingue les, les formes bénignes des formes malignes, qui sont ces formes plus moins avancées quand elles sont bénignes et qui représentent un risque moins, pour le patient, moins, moins, moins évident. Mais sinon, c'est un, un synonyme. Qu'est-ce qu'on parle de, de quoi on parle quand on parle de sarcome Alors, il y a deux grands types de cancers en fait, qui sont issus d'origines de, 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 cellulaires différentes. Quoi. Donc, il y a les, ce qu'on appelle les carcinomes, qui viennent de cellules qui sont en, Issus d'un épithélium, c'est déjà des noms barbares, mais les sarcomes, c'est un autre type de cancer qui vient d'un autre type cellulaire et qui est beaucoup plus rare. De toute façon, ça représente à peine 1% des, des, des cancers d'une manière générale. D'accord, ok. Et en plus, en fait, ouais, y a, on, ce qu'on peut faire, c'est un peu distinguer les cancers solides, oui. et, euh, carcinome, euh, sarcomes, et les cancers qu'on peut dire liquides, les cancers du sang, en fait. Ah. Et ça, c'est déjà aussi deux grandes catégories de cancers qu'il faut considérer. Dans les cancers solides, effectivement, l'épithélium, le, les, les carcinomes viennent de l'épithélium, c'est en fait un, 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 un ensemble de cellules qui recouvrent en fait les tissus. Mmh. Et euh, le, le sarcome, c'est les tissus mous, les muscles, etc. Les ouais. os. Les, les os, oui. OK. Euh, on continue. De quoi on parle quand on parle de mélanome J'ai déjà entendu ça. Un mélanome, c'est un cancer C'est un cancer de la, la peau. De la peau, c'est ça. C'est le cancer qui, euh, qui, malheureusement, est à l'origine du plus grand nombre de décès, en fait. De chez les patients de qui ont un cancer de la peau. Donc il n'est pas très, euh, très prévalent, c'est-à-dire que le, le, le nombre de patients n'est pas si important que ça. Par contre, c'est une maladie qui est très agressive par nature et qui a tendance effectivement à, à, à malheureusement être traitée difficilement. Quoi. Et... Fatima, si je peux. Coup, Bien sûr, je Le mélanome, en fait, c'est vrai que c'est une maladie assez terrible, en particulier quand elle est métastatique, mais c'est l'une de celles qui a montré le plus d'avantages thérapeutiques de l'immunothérapie. C'est vraiment avec le mélanome euh, euh, cutané. Euh, parce qu'il y a des mélanomes de l'œil aussi, mais qui sont des maladies différentes. Mais dans les mélanomes cutanés, le cancer de la peau métastatique, où il y avait globalement très, très peu de patients qui survivaient, en fait, ça, ça a vraiment été, notamment, on a une médecin qui s'appelle le professeur Caroline Robert à, à l'Institut Gustave Roussy, qui a été absolument essentielle dans le développement de ces, de ces traitements. D'immunothérapie dans les cas de cancer de mélanométastatique qui ont montré une efficacité absolument impressionnante. C'est incroyable. Et aujourd'hui, du coup, ça veut dire qu'on a des Forme de traitement pour ces oui. cancers-là, oui, grâce à elle. C'est pour ça que c'est vraiment des choses qui sont importantes à souligner aussi. C'est l'immunothérapie, c'est une révolution en, en, en cancéro, et donc on essaye aussi d'avoir d'autres aspects révolutionnaires dans nos recherches à l'heure actuelle. Mais ça reste et les résultats sur le mélanome ont aussi permis d'appliquer en fait l'immunothérapie maintenant au cancer du poumon, au cancer du sein triple négatif, donc, sur oui. lequel on reviendra peut-être un peu. Mais vraiment, c'est des, des, des thérapies qui sont extrêmement euh, importantes et qui ont été euh, cruciales. Tu en as parlé, tu as prononcé le mot, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, métastase. On l'a vu dans la vidéo aussi, de quoi on parle, Laurent, quand on parle de métastase donc il faut distinguer, on nous dit que les cancers ou les tumeurs sont classifiés par organes. Ouais. Donc, vous avez un cancer de la prostate ou un cancer de, de n'importe quel autre organe, mais ça c'est ce qu'on appelle le site primaire, c'est-à-dire que c'est l'origine de, 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 de cette tumeur, et malheureusement quand elles évoluent vers des formes plus agressives, elles ont tendance, comme l'a très bien expliqué un peu le, le, le petit film, certaines de ces cellules vont venir s'échapper de ce site primaire et vont venir coloniser des sites à distance. Ils peuvent être multiples et c'est ça qu'on appelle une métastase. Ça va reformer une tumeur à distance colonie, à partir ouais. d'une seule cellule. C'est ce qu'il faut voir. C'est qu'initialement, ça vient d'une seule cellule qui s'est accrochée dans un, dans un autre organe, qui trouve un environnement qui lui est propice et qui va généralement conduire à, à, à une nouvelle tumeur. Et ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que généralement, les patients ne meurent pas de leur tumeur primaire. En fait, hum. Ils malheureusement décèdent en fait, de cette multiplicité en fait, de métastases qui, in fine, conduit à, à, à la mort. Euh, euh, quelles sont les causes du cancer J'ai cru comprendre, arrêtez-moi si je dis une connerie, qu'il y a des causes génétiques mais aussi des causes environnementales. Est-ce que c'est les deux en même temps Est-ce que c'est l'un des deux Est-ce que c'est toujours les deux en même temps C'est très souvent les deux en même temps, oui. Ouais, Donc il okay. y, y a effectivement malheureusement des, des, des familles qui, sont, qui, sont, qui ont un terrain génétique qui favorise l'émergence de ces tumeurs-là. C'est pour ça qu'on on pousse aussi les gens qui, sont, qui savent que dans leur famille il y a déjà eu un cancer de se faire dépister de façon un peu plus, un peu plus importante parce qu'ils ont un risque qui est accru et puis au-delà de ça évidemment il y a tous les risques environnementaux et qui vont à la fois de l'exposition à un certain nombre de, de carcinogènes chimiques hein, des, des pesticides ou ce genre de choses mais aussi à des virus par exemple on aura l'occasion d'y reparler j'imagine avec les, les notions de vaccination mais tout ça fait qu'évidemment il y a un environnement auquel vous êtes exposé qui va venir influencer euh, ce développement, tu m'en Alors, on a, on a une infographie d'ailleurs pour en parler euh, de, de ça, des facteurs de risque. Euh, la régie, si vous pouvez nous montrer euh, cette, euh, cette petite infographie qui nous montre quels sont les principaux facteurs de risque euh, qui, peuvent permettre, euh, qui enfin, peuvent permettre malheureusement de développer euh, un cancer. Voilà, vous les voyez. Alors, il y en a qui ne vont pas vous surprendre euh, le tabac, l'alcool, euh, une alimentation déséquilibrée. Euh, le surpoids et l'obésité, c'est aussi un facteur de risque. Il y a certaines infections, effectivement, qui peuvent être un facteur de risque. L'exposition excessive au rayonnement ultraviolet, le soleil, euh, d'où l'importance de se protéger, bien entendu. Les radiations ionisantes. Relativement rare, mais ça existe quand même et c'est important de le dire. Euh, et euh, le manque d'activité physique, la sédentarité, je plaide coupable en ce qui me concerne, euh, le trai les traitements hormonaux, le fait de ne pas avoir à l'été est un facteur de risque euh, pour euh, le cancer du sein, et les particules fines, les particules fines euh, célèbres en ville notamment, puisque rejetées par les pots d'échappement euh, des voitures. Euh, voilà, ça, ce sont les, les principaux facteurs de risque modifiables. On précise modifiables parce que c'est ceux sur lesquels on peut avoir une action. Il euh, y a d'autres facteurs de risque sur lesquels, malheureusement, on ne peut pas trop euh, euh, changer. C'est la plupart d'entre eux, là, de ce que vous voyez mmh. Oui, oui, tout à fait et on voit bien et ça répond totalement à ce que dit, ce que dit Laurent où effectivement l'ensemble en fait de ces facteurs de risque en fait sont des facteurs de risque parce qu'ils vont provoquer des altérations génétiques dans nos cellules et à partir du moment où en fait vous avez une acquisition d'altérations génétiques qui s'accumule comme ça dans les cellules, vous avez un développement et un risque de développement cancéreux. Alors ce qui est important aussi d'appréhender là, c'est qu'en fait le développement d'un cancer, c'est souvent un processus assez long. On n'a pas évidemment une datation précise sur, euh, mais souvent les gens pensent en fait que ça peut être extrêmement rapide. On a eu un traumatisme et on pense en fait qu'on va avoir, euh, si on développe un cancer, c'est associé euh, au, à l'événement traumatique qu'on oui, vient de vivre. Oui, effectivement. C'est souvent en fait quelque chose qu'on entend et en fait, c'est probablement pas vrai. C'est un processus assez long où l'acquisition en fait des mutations génétiques et des altérations génétiques se fait dans un processus lent. Par contre, il faut aussi savoir qu'on a beaucoup d'altérations génétiques qui sont réparées. On a des mécanismes qui nous permettent en fait de réparer notre ADN quand il est muté et qui nous permettent d'éliminer les cellules tumorales avec notre système immunitaire. Donc on a quand même des garde-fous. Euh, j'ai vu que dans le chat, beaucoup de personnes réagissaient exactement comme moi au moment où je l'ai appris, quand j'ai vu cette infographie au début. Le fait de ne pas allaiter son enfant est un facteur de risque pour le cancer du sein. Je ne savais pas du tout. Qu'est-ce qu'il explique Comment ça s'explique je ne crois pas qu'il y ait d'explications très claires là-dessus. Ça, ça fait partie des données épidémiologiques. Hein, C'est-à-dire oui, que les, on constate. Les, les grandes analyses comme ça sur les grandes populations, mais de façon extrêmement bien faite et scientifique, révèlent comme ça de temps en temps des, des facteurs de risque. C'est le cas aussi avec certains types de virus, on le sait. Là, on a un peu plus de connaissances sur quel type de virus fait quoi. Mais il y a comme ça quelques facteurs de risque. L'obésité, par exemple, a été aussi quelque chose qui a été découvert finalement il n'y a, a pas si longtemps que ça. Mais on sait dorénavant, je veux dire qu'avec effectivement l'émergence euh, maintenant... Euh, de, du surpoids et de l'obésité morbide pour certains, on sait que là, on, on a maintenant des données épidémiologiques solides qui permettent de dire que c'est évidemment un facteur de risque avéré, prouvé maintenant hyper intéressant euh, et c'est la preuve d'ailleurs que la recherche progresse si je puis dire parce qu'on découvre de nouveaux facteurs de risque euh, sur lesquels on a des preuves, euh, des preuves scientifiques ouais. oui il y a peut-être un, un, un argument aussi à amener à, ouais. un élément de, de réflexion à avoir aussi c'est ce fameux effet cocktail qu'on entend de temps en temps dont on entend parfois parler qui, qui reflète finalement l'exposition multiple ouais. et ça c'est quelque chose qu'on connaît très très mal par contre c'est-à-dire qu'évidemment je ne peux pas vous dire à quoi vous êtes exposé je veux dire dans votre quotidien vous pouvez vous-même cibler de toute façon des choses qui vous disent ah ben ça ça me parle effectivement peut-être que si je faisais un peu plus d'exercice si je m'arrêtais de fumer je vais écarter ce, ce facteur de risque là mais vous voyez qu'en fait la, la multiplicité des facteurs de risque auxquels on est exposé de façon souvent des fois sinon fortuite de façon un peu passive, ouais. on va avoir des effets cocktails. C'est-à-dire que si vous avez cet effet-là et cet effet-là, eh forcément, vous augmentez les, 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 les facteurs de risque. Ce qu'on ne sait pas, c'est la synergie entre ces facteurs de risque. Et ça, pour l'instant, les études de... C'est très dur à mesurer, j'imagine, oui. C'est très difficile à mesurer, Le soleil, le tabac. Voilà, vous ne vivez pas dans une cage, donc évidemment, vous êtes exposé à ouais, tout un vrai. tas de facteurs. On a une autre infographie sur euh, les chiffres clés. De la maladie, euh, les chiffres clés de la maladie, euh, combien de personnes ça, ça, ça concerne, le cancer, voilà, c'est le chiffre. Euh, en 2023, on avait 433 136 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués et 162 400 décès. Euh, ce sont des chiffres très importants, hein, pas, pas loin d'un demi-million de, de, de nouveaux cancers dépistés l'année dernière. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend, ces chiffres Est-ce que c'est en progression Est-ce que c'est en régression Est-ce que c'est statique non, il y a une vraie augmentation en fait, hein, des, des, de, du nombre de cancers en fait, détectés euh, depuis, en, enfin, ces dernières années euh, depuis, entre 1990 et 2023. on a clairement vu une augmentation, ça c'est absolument clair. Euh, Il y a des augmentations dans les cancers les plus, les plus fréquents, mmh. cancer du sein, cancer du poumon, cancer de... Il y a 57% ici de, de cas détectés chez les hommes et 43% je crois chez les femmes. D'accord. Et de façon assez intéressante, si en fait on voit... Euh, en fait, chez les femmes par exemple, on a vu une explosion ces 20 dernières années des cas de cancer euh, de, du poumon qui était bien plus faible en fait auparavant et ça c'est très probablement associé à une augmentation chez les femmes l'égalité entre les hommes et les femmes et donc le fait que les femmes soient, euh, aient commencé à fumer euh, ah, c'est l'augmentation probablement... du tabagisme chez les femmes qui se retrouve dans les chiffres du cancer des poumons oui. chez les femmes et, et il faut bien noter que ça, comme le disait Fatima c'est que comme c'est un processus lent on a évidemment les conséquences du démarrage de cette habitude de vie qui se, qui se qui se mesure en fait des dizaines d'années plus tard. C'est-à-dire mmh. que pas les femmes qui se sont mises à fumer avant hier qui demain auront un cancer. C'est celles qui se sont mises à fumer il y a trois il y a trois décennies il y a 30 ans qui maintenant rentrent un petit peu dans cette dans phase là chiffres, où ouais. on commence à mesurer les conséquences les conséquences directes en fait de cette de cette habitude de vie. Quoi. Et juste, vas -y, vas -y, juste vas -y, vas -y. dans l'éthiologie en fait des cancers du sein. Je ne sais pas si c'est très connu. En fait, évidemment bien sûr majoritairement c'est les femmes qui sont euh, atteintes de cancer du sein. Mais en fait, il y a 1% d'hommes aussi qui sont atteints de cancer du sein. Et je pense qu'il faut aussi le dire aux jeunes s'ils ne le savent pas, parce que je pense que c'est important. Souvent, c'est ce évidemment en lien avec des prédispositions génétiques. Mais donc, si jamais il y a des garçons qui nous écoutent et qu'ils savent que leur maman ou leur tante ou leur parfois sœur a été atteinte d'un cancer du sein, qu'ils n'hésitent pas à se faire suivre également. Euh, parce qu'il peut y avoir un risque. Il faut, faut alerter aussi les garçons à ce sujet. J'ai vu que dans le chat, certaines personnes avaient posé la question. Oui, c'est bien en France les chiffres oui. qu'on vous a montrés. 433 oui, oui. 000 nouveaux cancers détectés en France en 2023. Euh, ce sont des chiffres très importants. On parlera tout à l'heure du dépistage, évidemment, euh, du cancer. Euh, on a le chiffre euh, des cancers les plus meurtriers. Tous les cancers ne sont pas aussi meurtriers les uns que les autres. On a les chiffres des plus meurtriers. Euh, chaque année, en France, 30 000 décès du cancer du poumon, 17 000 décès du cancer colorectal, euh, 12 700 décès du cancer du pancréas, euh, 12 600 décès du cancer du sein et 9 200 décès du cancer de la prostate. Ce sont les cancers les plus meurtriers en France. Ce sont les chiffres de 2021. Euh, intéressant, il y a d'autres cancers. Est-ce que ça veut dire que les autres cancers ne sont pas meurtriers Non. Euh, mais est-ce que ça veut dire que ces cancers-là ont des particularités qui les rendent aussi meurtriers Ou alors ils touchent des fonctions particulièrement vitales Je ne me rends pas compte. Ah, il peut y avoir ça, mais le, le, le cancer du pancréas est un très bon exemple. C'est-à-dire que pour les cancers du poumon, les cancers du sein, ce sont des cancers qui sont relativement prévalents. C'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup de patients qui sont évidemment euh, touchés. Le cancer du pancréas, c'est un peu l'exemple le, le, inverse. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de patients qui sont atteints d'un cancer du pancréas. Par contre, si vous voyez le nombre de décès, c'est astronomique. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ça, ça fait partie des cancers qui... Euh, d'un point de vue médical et, et, et scientifique, pose énormément de problèmes. On n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi ce cancer-là est aussi meurtrier que ça, et pourquoi on arrive à si peu le traiter. Mais en l'occurrence, ça c'est vraiment un exemple d'un cancer qui est plutôt rare et qui malheureusement conduit très souvent très souvent au décès. D'accord. Par opposition aux autres, c'est assez intéressant. Oui, dans oui, les cancers, par exemple, dans les cancers du sein, quand on voit le, le nombre de décès-là, en fait, il y a une grande hétérogénéité dans les cancers du sein. Et euh, effectivement, le nombre de décès n'est pas exactement le même dans les différents types de cancers du sein qu'il y a. Donc, c'est aussi quelque chose où il faut que les gens soient informés, parce ouais. qu'évidemment, non seulement les traitements ne vont pas être les mêmes, mais également les proportions de décès. Et malheureusement, dans le cas du cancer du pancréas, heureusement pour l'instant, ça reste encore un cancer assez rare, mais il est véritablement en augmentation. Et on ne connaît pas les causes de l'augmentation des cas de cancer du pancréas, qui commencent sérieusement à être extrêmement inquiétants et qui, en fait, génèrent aussi des politiques de recherche dans nos laboratoires. Euh, je suis d'accord avec, euh, avec le chat qui dit que ce serait intéressant d'avoir effectivement le nombre de décès par rapport au nombre de cas euh, dépistés. Exactement. Je suppose que c'est une information que vous pouvez trouver sur le site internet de la FRM. N'hésitez pas à aller vous renseigner. C'est effectivement une information intéressante. Parlons de ce dépistage. Parlons-en du dépistage. J'ai vu que dans le chat, dès le début de l'émission, des personnes en parlaient, parlaient de prévention, de dépistage. Euh, on, a, euh, une on a une vidéo de la FRM euh, qui parle de l'importance du dépistage précoce. On va la regarder, on en parle juste après. J'ai pu bénéficier d'une thérapie qui correspond exactement à mon cancer, donc qui permet effectivement d'avoir réduit mes métastases, ma tumeur et d'être encore là. C'est elle qui me sauve totalement. en février 2022, après une autopalpation, je découvre une, une masse au niveau de mon, mon, sein, euh, mon sein droit. Donc du coup, je prends rendez-vous chez mon gynécologue qui m'osculte me dit que tout va bien. C'est ma glande mammaire. Il me dit voilà, 36 ans, vous avez des cancers dans votre famille Non. Bon bah voilà. On passe à autre chose. Sauf que six mois plus tard, j'ai des douleurs dans le dos, puis euh, des douleurs dans, dans la cuisse. Et euh, s'ensuit si l'année d'après. Du coup, en mars 2023, je fracture euh, au niveau de mon fémur. Donc j'arrive aux urgences, euh, là ils me prennent un petit peu pour une dingo parce que je hurle, hein. c'est très douloureux. Donc je fais une radio et puis du coup le responsable des urgences arrive dans le box où j'étais, il ferme la porte, il s'approche de moi et là il me dit euh, « votre fémur est anormal ». J'ai mis « c'est-à-dire anormal », il me dit « bah comme grignoter ». Et là j'ai tout de suite compris parce que le fémur c'est l'os le plus solide du corps humain, il n'y a pas beaucoup de maladies qui peuvent euh, grignoter euh, un os comme celui-ci. Donc on suppose au début que c'est euh, un cancer des os. Ensuite euh, on découvre que c'est un cancer du sein. Donc là on me un diagnostic un cancer HR -E de positif métastatique euh, osseux. Donc euh, j'ai des métastases au niveau du fémur donc euh, qui ont fracturé le fémur, j'en ai beaucoup et j'ai aussi du coup tout en bas du dos donc au niveau de tout le bassin et au niveau des lombaires. Sur le coup j'étais euh, je comprenais que c'était un cancer mais j'étais tellement dans la douleur j'étais vraiment dans une douleur atroce. Euh, à l'IT, euh, à l'hôpital, je me suis dit de toute façon, je vais me battre. Moi, je me connais, euh, j'ai euh, une force mentale importante, donc euh, vraiment, je, je me suis dit, je vais l'affronter, de toute façon, j'ai mes filles, j'ai mon mari. Il n'y a pas de souci, je vais l'affronter. Ça nous tombe dessus comme ça, on s'imagine pas que ça peut arriver, mais comme je souffrais depuis plusieurs mois, je savais que c'était grave quand même. Quand on a su que j'avais un cancer HER2 positif, on m'a tout de suite proposé en fait la thérapie ciblée. On m'a dit que voilà, n'était pas une chimio, c'était comme une chimio parce qu'il y a des éléments qui ressemblent. Et surtout, c'est oral. Donc, ça veut dire que je pouvais faire mon traitement de chez moi. On m'a d'emblée proposé l'hormonothérapie, la double hormono, c'est-à-dire un comprimé que je prenais tous les jours, plus une injection euh, toutes les 28 jours. En fait, c'est les hormones qui permettent au cancer de se développer facilement. Donc, l'hormonothérapie empêche la tumeur de se développer et empêche des métastases de se développer. Dans mon corps. Donc, ça veut dire que j'ai plus de règles, je suis en ménopause artificielle euh, depuis mes 37 ans. En fait, mon traitement est vraiment spécifique au cancer HEIR2 plus positif métastatique. C'est-à-dire que tout le traitement que j'ai, euh, c'est un ensemble. Je ne peux pas fonctionner sans euh, mon injection, mon hormono euh, comprimé et ma thérapie ciblée. C'est vraiment cet ensemble-là qui donne l'efficacité de mon traitement. Alors, ce traitement va fonctionner immédiatement. C'est-à-dire qu'après, euh, on va dire deux mois complets de traitement, donc la tumeur avait régressé et les métastases avaient vraiment aussi bien régressé, le traitement a fonctionné d'emblée, directement. Et c'est des traitements qui sont homologués. Bah, ça a été, je crois, quelques mois avant que je les prenne, donc c'était vraiment euh, très très récent. Et là aujourd'hui du coup, euh, depuis février, je suis en réponse métabolique complète. Donc c'est-à-dire que... Je ne suis pas en rémission, malheureusement, parce que je suis métastatique, donc cancer incurable. Mais en tout cas, euh, mes métastases sont comme éteintes. Donc elles ont fragilisé mon dos, mon fémur. Mais par contre, elles ne sont plus actives. Alors en moyenne, ça dure 5 ans. C'est une estimation approximative de 5 ans. Après, aujourd'hui, ils sont incapables de me dire ce qu'il y aura. C'est la recherche qui fera. Que j'aurai quelque chose à suivre. Il y a des études cliniques en ce moment, il y a des choses qui, 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 sur lesquelles ils travaillent, des nouvelles thérapies, encore plus puissantes que la thérapie ciblée. Donc, euh, oui, je mise sur ça. Euh, on, on nous en parle sans nous dire exactement parce qu'aujourd'hui, euh, on est en recherche. C'est grâce à ça qu que, oui, euh, au-delà des 5 ans, je pourrais avoir un avenir euh, et je m'accroche à ça. Voilà, c'était le témoignage de Cindy, un témoignage intéressant sur son parcours de soins. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder, à nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Euh, on est en direct dans cette émission de Checkpoint pour justement faire une mise à jour euh, collective sur, sur l'information sur, sur, sur le cancer. On a la chance d'être avec Laurent et Fatima, deux chercheurs qui travaillent euh, quotidiennement euh, dans la lutte contre cette maladie. Euh, J'ai vu dans le chat qu'il y avait plusieurs personnes qui témoignaient de leur propre parcours de soins. Merci d'être avec nous. Bravo euh, pour euh, votre parcours et merci pour votre témoignage. On a entendu dans le témoignage de Cindy euh, cette, 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 cette occasion manquée. Au début, j'ai vu que ça t'avait fait réagir, mmh. Fatima, une femme qui découvre une grosseur dans son sein et qui prend rendez-vous avec son gynéco. Son gynéco lui dit C'est normal. Ça arrive souvent alors, ça, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais effectivement, je pense que Cindy avait raison de s'inquiéter. Euh, C'est vrai que là, il y a eu un rendez-vous manqué euh, très clair au niveau thérapeutique. Euh, je pense qu'en fait, le dépistage est vraiment hyper important et, et l'autopalpation est très importante parce que le dépistage systématique du cancer du sein est remboursé par la sécurité sociale entre 50 ans et 74 ans. Euh, mais euh, Cindy le démontre très bien. En fait, l'autopalpation antérieure à un âge plus jeune est hyper important. Et et je pense que de plus en plus, on sait qu'il y a une augmentation, en particulier chez les populations jeunes, de cancers, incluant les cancers du sein. Donc n'hésitez pas, vous les jeunes, à, à, à faire cette autopalpation. Parce que ce dépistage est essentiel. Et, et j'ajouterai au-delà du cancer du sein, parce qu'effectivement, oui. là, ça peut être quelque chose qui est, qui est palpable. Hein, donc, ça peut être une masse qui, est, qui, est, qui peut être visible, ou en tout cas palpable. Euh, il faut faire, je pense que le message à faire passer, c'est être attentif à son corps. C'est-à-dire que s'il y a des symptômes qui sont anormaux, euh, ne pas les laisser, euh, surtout s'ils durent dans le temps, comme ça. Évidemment que vous n'allez pas aller chez le médecin, euh, chez un oncologue, à chaque fois que, mmh. que vous avez un, un mal de ventre. Mais si vous voyez qu'il y a des symptômes qui perdurent dans le temps, je veux dire, il faut s'inquiéter, évidemment, et, euh, et aller consulter. Parce que c'est souvent, en fait, ça qui, euh, qui déclenche, en fait, trop tardivement, en fait, une prise en charge clinique et qui amène à des maladies déjà très avancées, alors que si elles avaient été prises en, en, en considération, ne serait-ce que six mois, ne serait-ce qu'un an avant, ce serait plus du tout la même maladie, ce serait plus du tout le même traitement. Alors, Cindy nous a parlé de son dépistage, elle nous a aussi parlé de son traitement. Et c'est une question que j'allais vous poser à tous les deux. Comment on traite aujourd'hui le, 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 le cancer J'ai entendu là aussi un certain nombre de mots, je crois qu'on a une infographie là-dessus, sur les mots-clés du, du traitement, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. De quoi est-ce qu'on parle on peut rajouter là, la chimiothérapie maintenant, les thérapies leur ciblées mono, en fait. C'est ce qu'on appelle un arsenal thérapeutique et c'est oui. en fonction du type de tumeur, en fonction de son grade, son, sa, sa sévérité, qu que, les, que les médecins, les oncologues vont choisir en fait la thérapie la plus adaptée en fait euh, au patient et dans le, dans, dans le cas de figure, dans la, au, dans la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné quoi. Oui. Euh, sur, la, sur le traitement de la, de la, de, du cancer, on a malheureusement sur internet un certain nombre de, de gourous qui euh, proposent des traitements alternatifs, des euh, pseudo-thérapies. Euh, je pense à, à Irène Grosjean, je pense à. Euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, et je suis même désolé de prononcer leur nom en réalité, parce que ces gens-là font beaucoup de mal en détournant les gens de la médecine conventionnelle, euh, notamment le jeûne. Voilà, le jeûne est en train de devenir le truc à la mode sur Insta, ça guérit tout, toutes les maladies, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont vous, les chercheurs, vous vous rendez compte euh, ce phénomène-là Alors nous, alors c'est ce qu'on est on, on, en l'occurrence au laboratoire, on étudie, on étudie notamment l'effet le, des, des régimes alimentaires, de certains régimes alimentaires, alors, ou de leurs conséquences justement sur la survenue des, des cancers. Mais c'est vrai qu'il y, y a un message très important à faire passer à la, à la, à la, à la, à la communauté, à la, à la population en générale, c'est faire attention évidemment au message. Auxquels ils sont exposés sur Internet, la plupart de ces messages ne sont ni validés, ni par un scientifique, ni par le corps médical. Et donc c'est le cas notamment pour ces histoires de, 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 de jeunes. Il n'y a pas de démonstration, je veux dire évidemment scientifique ni médicale, que ça a un quelconque effet sur le développement tumoral. Ça a probablement des effets en, fait en termes de prévention. Mais on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que là, la question se pose sur l'effet que pourrait avoir ce type de comportement-là sur le traitement d'un cancer qui est déjà établi. Et là, il y a une alerte à, euh, rouge à, à, à émettre qui est de dire attention à ces, à ces fake news, attention à ces messages qui n'ont aucune réalité ni scientifique ni clinique. Et qui peuvent générer en plus une, une altération de l'état général de la patiente, de la, du patient, qui va être soumis à des traitements extrêmement forts quand même. Si on, on est traité par de la chimiothérapie, c'est extrêmement agressif. Donc en fait, le jeune va générer ce qu'on appelle une cachexie, une, une, une fonte en fait musculaire, qui peut être extrêmement délétère pour pour, pour pour la résistance que le patient va avoir au traitement qui est, qui est dur, il faut, faut, faut reconnaître. Euh, Laurent, quand on préparait cette émission, tu me disais que les, 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 les progrès les plus impressionnants récemment, ce sont notamment les thérapies ciblées. Euh, ça veut dire quoi, ces traitements personnalisés Alors, il y, y a deux notions là, dans, la, dans, dans cette ah. question-là qui, qui fait un peu écho à ce que disait Fatima, qui est de dire que... On n'a pas une maladie, mais des maladies. Ces maladies, elles ont des altérations génétiques. Qu maintenant qu'on arrive à détecter, dans le petit reportage, il y avait effectivement cet exemple de cancer du sein qui est positif pour ce marqueur qui s'appelle R2 et qui permet justement d'administrer une thérapie ciblée qui, dans ce cas présent-là, est une hormonothérapie. Et pour d'autres altérations génétiques, pour d'autres types de cancers, on sait qu'une fois que cette altération génétique est présente, on a des médicaments spécialisés qui vont venir cibler soit la, la molécule qui est mutée soit les conséquences en fait de sa mutation et on parle là du coup de thérapie ciblée par opposition aux chimiothérapies, qui elles sont évidemment le traitement historique de, du cancer et qui eux ont relativement peu d'effets ciblés. Mmh. C'est en fait, ça va venir toucher essentiellement les cellules qui sont hyper proliférantes, quoi. Hein. Toutes. Mmh. Et, alors et en l'occurrence aussi bien celles qui sont malheureusement tumorales, que aussi celles qui sont saines, puisqu'on a évidemment tout un tas de cellules normales qui prolifèrent beaucoup. Elles vont aussi être touchées par ces chimiothérapies. Alors c'est une question que j'allais vous poser. C'est quoi, quoi la chimiothérapie Comment ça marche ah bah ça va, c est, c est, alors il y a différents agents hein, qui peuvent agir soit directement sur la prolifération des cellules cancéreuses, soit sur des agents qu'on appelle du cytosquelette, mais qui vont directement avoir donc soit c'est des agents qui vont directement cibler l'ADN et vraiment générer en fait une mort euh, de ces cellules qui prolifèrent beaucoup en essayant vraiment de, de les tuer. Donc l'action la, la, de la chimiothérapie c'est véritablement ça. L'avantage la, des thérapies ciblées à partir du moment où en fait on peut les donner à quelqu'un. L'avantage c'est que petit 1, on ne va pas traiter des gens qui ne sont pas porteurs d'un de, de, marqueur moléculaire. Donc on ne va pas générer une toxicité qui parce que un médicament peut être un peu toxique donc en fait il y a toute une partie de la population où on sait que ces gens-là ne vont pas bénéficier donc on va pas leur donner le traitement par contre on va donner le traitement vraiment aux gens à qui ils vont bénéficier donc il y avait le her 2 mais je voulais aussi mentionner oui. les, 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 parce qu'on en a beaucoup entendu parler des mutations BRCA1, BRCA2, la Jolie qui, qui en fait oui. qui, qui est porteuse de, de, de certaines de ces mutations et qui a beaucoup en fait apporté à, à la communauté scientifique et je voulais mentionner que les gens par exemple qui se font suivre dans ce cadre là peuvent bénéficier d'un traitement, euh, traitement spécifique euh, qui s'appelle les, anti, euh, les antiparpes et qui sont en fait des traitements qui permettent euh, de, de lutter contre, de, contre ces tumeurs alors que des patients qui ne vont pas présenter ces altérations génétiques n'auront pas de bénéfice. donc les ouais, thérapies silbilées ont cet avantage de vraiment en fait traiter les patients qui en ont besoin et de d'éviter en fait de traiter des patients pour lesquels il n'y aura pas d'avantage. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande comment sont choisis les traitements à administrer. Comment ah, on décide Ah, c'est vraiment en fonction des analyses moléculaires qui ouais. sont faites. Euh, et par exemple dans le cancer du sein, parce que c'est vraiment des choses qui sont commencent à être co très bien connues. Il y a trois grandes catégories de cancers du sein des cancers qui vont être hormonaux sensibles, et donc qu'on va pouvoir traiter avec des anti-hormones pour empêcher. Leur, euh, leur prolifération, les HER2, comme mentionnait euh, Cindy, et les triples négatifs, qui sont négatifs pour les récepteurs hormonaux, négatifs pour les HER2, et qui vont donc être traités avec de la chimiothérapie, donc un traitement non ciblé. Comment ça se fait qu'il y a certains cancers qu'on réussit à bien traiter et d'autres non Par les mêmes thérapies, vous voulez dire Oui, oui, c'est ça, par les mêmes thérapies. Ah. Qu'est-ce qu'il explique ça ben, il y a plein de facteurs. Donc, on, on prenait tout à l'heure l'exemple du cancer du pancréas. Donc, ça, c'est vraiment un exemple typique de cancer qui répond très mal à tout un tas de chimiothérapies et d'autres types de thérapies. L'explication moléculaire, on l'a pas, c'est ce qu'on essaie de trouver dans nos laboratoires. C'est pourquoi certaines formes de, de, de tumeurs sont plus résistantes à certaines formes de, de, de thérapie. Il peut y avoir plein de mécanismes, je veux dire. Il faut voir ces cellules comme des, des, des êtres vivants relativement intelligents, entre guillemets, dans le sens où ils élaborent des stratégies en fait pour toujours contourner un petit peu le. Le, le, les thérapies qu'on peut, qu peut être amené à les à administrer. Quoi. Mais elles peuvent avoir intrinsèquement en fait un mécanisme de résistance. Et à ce titre-là, c'est important de savoir de quoi elles sont faites, ces cellules, parce que si elles ont déjà des altérations dans un mécanisme qui est ciblé par une thérapie donnée, forcément, ça ne va avoir aucun intérêt d'administrer cette thérapie-là, puisqu'on sait que d'entrée de jeu, de toute façon, le patient ne répondra jamais. Et un point, ouais, un point qui est important aussi en complément de ça. Donc, on parle de thérapie et de résistance primaire, mais il peut y avoir aussi une résistance qui s'acquiert au cours du traitement. Et ça, c'est parce que ces cellules, en fait, malheureusement, elles s'adaptent en fait à des situations de traitement. Elles s'adaptent au traitement. Et en fait, à l'Institut Curie, on a fait un film où en fait, l'image, c'est un caméléon. Mmh. Et ben, un cancer, c'est un caméléon. Un peu dictatorial, c'est-à-dire les cellules cancéreuses dictent à tout le monde et elles se modifient, en fait, elles saltèrent et elles deviennent en fait comme ça invisibles au traitement que l'on peut donner. Donc il y a des mécanismes de résistance primaire, Donc cela, on peut développer des thérapies ciblées, puis des thérapies qui a des, 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 des mécanismes en fait d'adaptation de, de, et de résistance secondaire suite au traitement. Et c'est là où il faut en fait de façon permanente, savoir de quoi on parle, de façon permanente, en fait, adapter le traitement à ces nouvelles altérations. Euh euh, génétiques qui peuvent apparaître au cours du traitement. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux, vas -y, vas -y. Aux, aux familles ou aux patients eux-mêmes qu'ils peuvent ne pas forcément comprendre pourquoi finalement on va leur changer le traitement. C'est exactement pour cette raison-là. C'est-à-dire que on sait que de toute façon, à partir du moment où la tumeur va réémerger, elle, elle a des grandes chances en fait d'être résistante au traitement, traitement original. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Des fois, on, elles, elles se remettent en fait à être sensibles au même traitement, mais d'une manière générale, souvent c'est cette, cette course évolutive en fait hein, de la tumeur qui amène en fait à ces lignes successives de traitements qui sont destinés à la combattre à un moment donné en fait. Euh, euh, J'ai bien compris dans ce que vous disiez que la chimiothérapie n'est pas automatique. C'est effectivement un truc que moi j'avais en tête comme cliché euh, cancer égale chimio. Euh, en fait, c'est pas automatique. On a, on a, on a d'autres traitements. Vous avez parlé d'immunothérapie aussi. Ça aussi, c'est quelque chose de, que la recherche a rendu possible ces dernières années. Comment ça fonctionne l'immunothérapie En une immunothérapie, pour faire simple, en fait, notre, notre corps a un des systèmes de défense, euh, qui est notre système immunitaire. Et en fait, les cellules tumorales, en fait, tendent à dire au système immunitaire ne. Pas, je ne pas, je ne suis pas méchante, ce n'est pas la peine de m'éliminer. Et en fait, Donc, en fait, du coup, le système immunitaire d'un patient se met en veille et s'endort. Et, et l'immunothérapie vise à booster et en fait à réveiller le système immunitaire en lui disant Mais attends, fais attention, là, il y a, y a des cellules qui sont quand même très dangereuses. Euh, je rappelle que vous n'êtes pas tous les deux des, des, des médecins avec des patients oui. euh, au, au quotidien, vous, vous faites de la recherche, mais est-ce qu'on peut quand même parler du parcours du. Du, du patient à partir du moment où un cancer est, est détecté. Euh, D'ailleurs, c'est détecté avec une prise de sang, avec. Euh, ça dépend. Ça, ça, oui, ça pareil. dépend beaucoup du cancer. En réalité, la ça, palpation sûr. La palpation, si oui. Pour le médicale. Mmh. Mmh. Bon, à partir du moment où un cancer est détecté, comment est pris en charge un patient comment, comment, comment va se mettre en place son traitement Il va rentrer dans ce qu'on appelle un parcours de soins. Ouais. Donc, la première des choses à, à, à imaginer, et les, les patients qui, qui nous écoutent ont vécu ça, c'est qu'il va être pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Il va y avoir l'oncologue, va y avoir le radiothérapeute, il va y avoir le, 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 le chirurgien, etc. C'est toute une équipe médicale en fait, qui a des spécialités et des expertises complémentaires qui vont prendre en charge le patient. La chose supplémentaire qui est venue se rajouter à ce parcours de soins, qui à mon avis est une vraie valeur ajoutée, mmh. c'est tout ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire l'accompagnement du, du patient dans, dans le cadre d'un de, de, accompagnement sur la nutrition, par exemple, sur l'accompagnement psychologique. Hein. C'était une question un, qui était posée dans le chat extré... d'ailleurs. Voilà, le il y a un point extrêmement aussi, ouais. important sur, sur l'accompagnement le, le, voilà, le, 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 à la fois du patient et puis aussi des, des soignants. Donc il faut voilà, il faut, il faut des équipes multidisciplinaires et tout ça va s'organiser au sein, au sein d'établissements qui sont spécialisés. qui sont sont les centres anti-cancer hein, et, euh, et les, les centres hospitaliers qui, qui ont des, des, des départements d'oncologie comme ça mais il faut vraiment le voir comme une prise en charge globale en fait du patient et sur de multiples niveaux euh, aussi bien au niveau de la tumeur que du bien-être général que de l'état général du patient Fatima a mentionné le problème de la cachexie, qui est un vrai problème majeur. En fait, c'est l'affaiblissement la, la, général du corps, c'est-à-dire qui, qui reflète le dialogue finalement entre la tumeur et puis le reste de l'organisme et qui fait que le reste de l'organisme s'affaiblit au ouais. fur et à mesure. Et c'est généralement, malheureusement aussi, une cause de décès assez fréquente en fait des, des patients cancéreux. Ils finissent par ne pas mourir réellement de leur, leur tumeur en tant que telle, mais de l'affaiblissement général, général en fait, hein. de, de, de l'organisme. Et quand une tumeur effectivement est identifiée chez un patient, souvent il y a au début du avant le traitement même, hein, il y a une biopsie qui est réalisée. Pour analyser. Une biopsie, c'est en fait, vous avez un, un petit fragment de la tumeur que euh, quelqu'un va aller, enfin un médecin va chercher, en fait, euh, pour pouvoir pour faire des analyses. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle les analyses anatomopathologiques qui vont permettre d'identifier quel type, quel, quel est le grade, quelle est la sévérité de la maladie pour pouvoir, en fait, adapter. Et là-dessus aussi sont faites souvent des analyses moléculaires qui permettent d'identifier si euh, tel type d'altération de, 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 génétique est détecté... Et donc, du coup, va pouvoir, enfin, si le patient va pouvoir bénéficier d'une thérapie ciblée. J'imagine qu'il y a aussi un enjeu important pour les malades ce sont leurs proches. L'accompagnement d'une personne atteinte d'un cancer, c'est quelque chose sur lequel, là aussi, on essaye de, de travailler, d'aider à accompagner. Je suppose que les personnes sont souvent démunies. Ça, c'est vrai. Et c'est encore un, un point d'amélioration très net à sur lequel il faut que, faut que la population générale travaille. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que les établissements de soins. Je dirais que là, les associations de patients jouent un rôle majeur sur l'accompagnement à la fois des patients mais de leurs familles. Franchement, les, les, les différentes associations, que ce soit la FRM, la Fondation ARC, la, la, la Ligue contre le cancer, sont comme très actives en fait sur, sur cet accompagnement qui est absolument nécessaire parce qu'évidemment, c'est un, un, une maladie complexe, et on n'a pas toujours effectivement toutes les clés pour, pour comprendre le parcours de soins, l'évolution de cette maladie, la durée, de quand ça a commencé, quand que, quelles, quelles sont les chances, quelles sont les, 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 les choses à, à, faire, à faire évoluer en fait, dans, son mode de, dans son mode de vie pour, pour se donner les meilleures chances. Quoi. J'avais envie Fatima, de ré réagir parce que tu mentionnes en fait les associations de patientes. Oui. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Là, il y a eu en fait, l'année dernière une association de patientes qui s'appelle les Triplettes, qui sont atteintes de cancer triple négatif. Et ces femmes-là en fait, ont obtenu, c'est grâce à elles qu'elles ont obtenu le droit d'être traitées avec un médicament qui était donné en fait, dans d'autres pays. Et c'est grâce Ils, à leur action. Ils n'avaient pas d'autorisation sur. En France. Pas, exactement. Et en fait, grâce à leur action, en fait, parce qu'elles sont allées interagir avec les ministères, avec avec l'Inca, avec les médecins, etc. Ils étaient très évidemment, on supportait, enfin la recherche et la médecine supportaient leurs demandes et elles ont obtenu ce droit. Donc je pense en fait que cette espèce de capacité à à, à prendre euh, en charge sa pathologie est en fait aussi quelque chose de très important. Les associations de patients, c'est quelque chose de relativement nouveau effectivement mmh. dans, dans le domaine médical. C'est quelque chose qui émerge depuis mmh. quelques décennies seulement et qui est, euh, a tendance effectivement à apporter mmh. des solutions. Fin, des Choses, pas des solutions toujours, mais au moins des choses très intéressantes, un dialogue, il y a une forme de démocratie en santé qui se met en place. Et c'est vrai que dans le cadre du cancer, ça, ça joue pour beaucoup. Le chat, si vous avez des questions à poser à nos deux chercheurs, surtout, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait dans le chat plusieurs questions, il y avait aussi des témoignages aussi. Si vous avez des témoignages parmi vos proches de parcours de soins plus ou moins difficiles et des choses que vous avez vues progresser, c'est intéressant. J'ai vu dans le chat une question qui était posée. Je vous la soumets est-ce qu'il existe des, des, des thérapies qui s'intéressent aux bactéries est-ce qu'on utilise les bactéries pour soigner le cancer Ça arrive Alors, on n'utilise pour l'instant, enfin, pas à ma connaissance. Non. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de sujets d'intérêt. Du, euh, des bactéries en fait à l'intérieur des tumeurs. Ça c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le microbiome, hein, le microbiome en anglais. Euh, et effectivement il y a énormément de recherches sur l'impact en fait des, des bactéries et autres agents infectieux euh, qui font partie des tumeurs et qui modulent en fait, qui modifient notamment euh, le, le, le système immunitaire. Donc il y a énormément de recherches. Pour l'instant pas de thérapie euh, ciblant les bactéries en tant que telles. Ok. J'ai en tête quelques, quelques travaux, mais qui sont effectivement... Euh, de recherche. Oui, vraiment de oui, recherche. On est à la ouais. ouais. okay. euh, Est-ce que c'est vrai que le cancer se nourrit de sucre et que quand on a le cancer, il vaut mieux éviter d'en manger alors, ça, c'est un exemple même de, 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 de message qui, qui est véhiculé, euh, alors pas forcément dans la presse générale. Non, mais, mais sur Internet, je viens de le voir voilà, dans le chat. Exactement. Voilà. Et donc, euh, c'est une réalité, mais il faut faire attention à l'interprétation. C'est-à-dire ah. que les tumeurs, par essence, c'est ce qu'on étudie au laboratoire, ont cette reprogrammation métabolique, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité en fait, à utiliser des nutriments, notamment les sucres, pour enfin, faire face en fait, à leurs besoins énergétiques. Et vous avez tous en tête en fait ces, ces images de, de, de scanner, de, de ce qu'on appelle du PET scan, qui est en fait l'utilisation d'un traceur radioactif qui n'est rien d'autre en fait qu'un sucre. Qui est un sucre qui a été modifié de façon à pouvoir être imagé par un imageur médical dans, le, dans, dans un but précis qui est en fait le diagnostic ou le suivi médical de cette tumeur-là. Donc c'est vrai, vrai que ces tumeurs elles ont une tendance, une ap, un appétit particulier pour le, pour le sucre, mais ça ne veut pas dire que les priver de sucre va être un avantage. Ah, Donc il faut faire très attention à ça parce que c'est souvent ce qu'on ce qu voit arriver en fait euh, dans les services cliniques, c'est des gens qui eux-mêmes spontanément se mettent sous des régimes qui sont dépourvus en sucre. Mais on n'a aucune idée en fait de savoir si ça c'est mieux ou si c'est moins bien. En l'occurrence, qu'il faut bien imaginer, et on le, on, le, on le mentionnait pour le système immunitaire, c'est qu'elles ont cette tendance incroyable à pouvoir échapper au système immunitaire. Elles ont aussi une autre tendance qui est absolument phénoménale, qui est en fait ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité à utiliser du sucre ou bien d'autres choses, des acides gras, du, 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 du gras ou bien d'autres nutriments. Et les priver de quelque chose, des fois, les rend plus forts encore. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans cet excès de se dire Ah ben, je sais qu'une tumeur est avide de sucre, donc je vais la priver de sucre et ça va, ça va la sécher euh, ou ça va la, 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 la bloquer. Euh, ça n'est absolument pas vrai. Des fois, ce genre de comportement, et ça dépend des types tumoraux d'ailleurs, peut avoir l'effet totalement inverse. Donc là aussi, attention attention à ce qu'on lit sur Internet, des euh, trucs un peu faciles, un peu rapides. Euh, ne jamais, le message pense. à faire passer, c'est ne jamais changer ses habitudes alimentaires tant qu'il n'y a pas un avis médical d'un oncologue qui vous dit éventuellement ça peut avoir un bénéfice. Et en l'occurrence, aucun oncologue ne le, ne le prescrit pour l'instant parce que de toute façon, les recherches ne sont pas assez abouties pour <laughs> arriver à une conclusion claire. Il y a quelqu'un qui dit, du coup, on fait quoi avec le sucre bah, On évite d'en consommer en trop grande quantité, ça c'est général pour tout le monde. Mmh. Et si on est atteint d'un cancer, on ne fait pas l'erreur de croire que parce qu'on va moins manger de sucre, on va lutter efficacement contre le cancer. Ça, on ne on peut pas le prouver. Enfin voilà. Enfin, on peut, ne on peut non seulement pas le prouver, mais comme le dit, il y a vraiment cette adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, si on, si on le prive, si on prive les cellules cancéreuses de sucre, en fait, elles vont utiliser autre chose. Elles vont utiliser des protéines, des acides aminés, elles vont utiliser des acides gras pour se nourrir. Oui. Elles ont un côté extrêmement dominant, extrêmement agressif. Donc, de toute façon, elles trouveront toujours des nutriments pour se nourrir. Donc, il faut faire extrêmement attention avec cette réalité, en fait, biologique, qui est une vérité hein. les cellules tumorales sont plus affines pour le sucre qu'une autre cellule. Mais de là à avoir une application immédiate en thérapie, non. – Merci, merci beaucoup pour ça. Euh, euh, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat qui commençaient à parler de carticelles et, de, et de, de recherche. On va en parler, ne vous inquiétez pas, on a prévu d'en parler. Juste avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on a des informations en termes d'inégalité sociale dans euh, la lutte contre la maladie Est-ce que euh, plus on est pauvre, plus on a de chances d'avoir un cancer ou moins on a de chances d'être dépisté tôt Est-ce que vous avez des informations là-dessus – Alors, euh, le… le, 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 le alors... Le risque du cancer en tant que tel, euh, par rapport à la, aux populations en fait, socialement défavorisées, en fait souvent le dépistage est beaucoup plus tardif. Donc en fait on arrive malheureusement à, dans les populations euh, socialement défavorisées, à soit en fait une, une, enfin, un dépistage plus tardif et donc plus grave, une maladie plus grave, potentiellement métastatique alors que s'il avait été pris plus tôt le cancer aurait pu être soigné. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment parfois, dans certaines régions euh, en France, euh, notamment dans les Hauts-de-France, on sait qu'il y a des politiques de dépistage qui sont moins accessibles pour les, pour les patients que dans d'autres régions. Et, et ça, c'est une vraie euh, inégalité euh, qui est territoriale, oui. qui, est, euh, qui est un fait. Et l'inégalité sociale, en fait, s'étend à, à d'autres paramètres. On a parlé de facteurs de risque tout à l'heure, je veux dire. Euh, on sait très bien que l'obésité, par exemple, je veux dire, a une prévalence plus forte en, dans certaines catégories euh, socio-économiques. Le tabac. Le tabac aussi. Et donc, vous voyez d'un seul coup qu'en fait, encore une fois, on revient à cet effet cocktail, c'est-à-dire ouais. que ce sont des multiples paramètres qui vont finalement ben, soit favoriser l'émergence, soit aggraver, aggraver la, la, la progression de cette tumeur-là. Et donc, bon, ben, c'est difficile de, de, de faire passer des messages très simples, mais chacun de ces, de, de ces facteurs de risque doit être, et doit être limité dans la mesure du possible. Il y a quelqu'un qui demande quand notre santé semble être bonne, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire dépister à quel moment? Alors il y, y a un point majeur qui, qui est, on a parlé de facteurs de risque, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, c'est que le facteur de risque le plus élevé euh, pour l'émergence d'une tumeur, c'est l'âge. Donc on sait qu'avec avec l'augmentation, la, le, la, 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 la fréquence en fait de, de ces tumeurs- là est en grande partie liée en fait au vieillissement de la population. Si vous regardez les courbes de progression en fait et d'incidence tumorale, ça c'est vraiment une courbe qui fait ça et, bouf, et qui s'envole à partir d'un certain âge quoi. Donc Justement, par rapport à ça, les, les, les campagnes de prévention sont destinées à, à détecter dans une population large qui est plus à risque qu'une autre. En l'occurrence, la population des plus de 50 ans. Quoi. Donc toutes ces, c'est ces, chez leur médecin généraliste que ces personnes vont débuter. C'est le dépistage. cas. Ou bien, de toute façon, ils sont aussi sollicités directement à la maison. Ouais. C'est le cas des campagnes pour le, le, de dépistage pour le cancer du, du côlon. Dès que vous arrivez à 50 ans, la sécurité sociale vous envoie en fait un, un message vous disant que vous avez vous avez droit à un dépistage gratuit du cancer du côlon et euh, évidemment qu'il faut, qu faut essayer de le suivre. On va continuer à échanger, euh, merci d'être aussi nombreux et nombreux à nous suivre pour cette émission Checkpoint sur la lutte contre le cancer. On va retrouver Valérie la directrice scientifique de la Fondation pour la Recherche Médicale qui va nous rejoindre en plateau pour cette dernière partie où on va justement parler euh... oh, c'était comme si... Je ne vais pas faire comme si on n'avait pas déjà commencé à en parler, de recherche en matière de lutte contre le cancer. Euh, la, la lutte contre le cancer, chère Valérie, est un sujet majeur pour la Fondation pour la recherche médicale, historiquement. Oui, tout à fait. Depuis toujours, la Fondation soutient de nombreux projets sur cette, euh, sur cette thématique, puisque c'est large. Hein, on en a parlé. Ça a vraiment de recherches très fondamentales euh, sur les mécanismes biologiques jusqu'à des, des recherches en épidémiologie. Et chaque année, euh, c'est une cinquantaine, même, voire une soixantaine de projets euh, nouveaux que soutient la Fondation euh, pour un montant qui oscille entre 4 et 6 millions d'euros. C'était très exactement 57 projets en 2023 pour 4,1 millions d'euros. Euh, c'est quoi les principales pistes de recherche qui sont explorées par les chercheurs aujourd'hui les trucs à la mode, c'est horrible de le dire comme ça. Les trucs à la mode, euh, bah vous avez euh, évoqué peut-être l'IA, euh, mais en tout cas, les, les pistes sont, sont, sont multiples, je dirais, euh, qu'il s'agisse d'études de, de, sur les facteurs de, de risque, donc des travaux d'épidémiologie qui sont très importants, justement, euh, sur euh, voilà, qu'est-ce qui, qui peut euh, prédisposer, pardon, au contraire euh, protéger, ça c'est aussi important. Euh, des, des études qui vont permettre de, de mieux diagnostiquer plus tôt, plus précisément, et puis euh, effectivement de, toutes les études sur les, euh, sur les mécanismes de, euh, de cancérisation ou d'échappement, de résistance à certains traitements, et mieux on comprendra tout ça et mieux on pourra euh, euh, trouver des nouvelles pistes. pour des nouveaux, des nouveaux traitements, des traitements innovants, puis aussi pour améliorer des traitements existants, notamment ceux qui ont des effets secondaires assez important. Donc euh, beaucoup, beaucoup de recherches, euh, je dirais, dans plein de, de, dans plein de directions. Okay. Qui, euh... Fatima, j'ai pu comprendre qu'il y avait des progrès du côté de ce qu'on appelle les biomarqueurs. Alors oui, oui, oui. Il y a beaucoup de. Ben, on en a parlé hein, quand ouais. même un peu. On l'a évoqué. On sait maintenant qu'il y a certaines cellules tumorales qui vont présenter en fait des, euh, des marqueurs et que cela vont permettre d'identifier en fait des traitements qui vont cibler vraiment ces cellules tumorales. On parlait des, 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 des anticorps anti her 2 enfin, il, il y a vraiment euh, les, notamment les patients atteints de cancer du sein ou de l'ovaire qui vont être en fait euh, BRCA1, BRCA2 mutés peuvent bénéficier aussi de certaines thérapies. Donc c'est marqueurs-là, sont absolument essentiels. Il y a, tu parlais de, de, de ce qui était à la mode, en fait, dans nos laboratoires, euh, et qui, je pense, en fait, à terme, vont arriver quand même en clinique, même si ça peut être coûteux, extrêmement coûteux, et ça, c'est un point qui va être aussi essentiel dans la prise en charge des patients. Mais ce qu'on fait, nous, beaucoup, si tu veux, c'est qu'on a parlé des différents types de cancers, même au sein d'un même organe. Et en fait, ce qu'on fait aussi maintenant, c'est qu'on sait qu'une tumeur, en fait, même à l'intérieur d'un même patient, en fait elle est très hétérogène, même au niveau des cellules tumorales, même au niveau de ses cellules immunitaires, même au niveau de son tissu de soutien qui sont les fibroblastes. Donc ça, on sait tout ça. Et en fait, ce qu'on analyse maintenant, que ce soit la tumeur initiale, la métastase ou au cours du traitement. En fait, on récupère des prélèvements et on analyse pour chaque cellule au sein de chaque tumeur, l'ensemble des gènes qui sont exprimés dans chaque cellule. C'est-à-dire que, en fait, tu prends une tumeur qui fait, mettons, 100 000 cellules, et pour ces 100 000 cellules, pour chacune d'entre elles, tu vas analyser les 30 000 gènes qui peuvent être exprimés dans chaque cellule. Mmh. Donc évidemment, on le fait avec des analyses bioinformatiques qui nous permettent d'intelligence artificielle qui nous permettent de réappréhender l'ensemble en fait de, ces, de la composition de ces tumeurs. Et on, on a maintenant la trois dimensions, parce qu'on a en fait cette analyse également au niveau spatial, et, et, au niveau au, spatial et au niveau. et au niveau. Donc en fait, tu as raison. C'est la 4D maintenant. Ouais, C'est la 4D. Euh, on en a parlé. Alors oui, on en parle tout le temps sur Internet en ce moment. L'intelligence artificielle, ça envahit tout Internet, Instagram, YouTube, mmh. tout ça. On en parle beaucoup, mais ça parle, ça, ça, ça touche également de très près la recherche médicale, qui l'utilise de plus en plus. On a une petite vidéo euh, à vous diffuser sur ce sujet. On en parle juste après. À l'heure actuelle, on comprend beaucoup mieux comment euh, fonctionnent sur le plan génétique et moléculaire les cancers et on peut du coup adapter les thérapeutiques. Et pour cela, il faut trouver des facteurs prédictifs de réponse euh, au traitement. Je suis médecin et hématologue et euh, je travaille actuellement sur les leucémies aiguës euh, lymphoblastiques. C'est un cancer du sang qui touche en particulier les enfants et les adolescents, mais aussi les adultes. Sur les 50 dernières années, le pronostic a vraiment complètement changé pour les leucémies aiguës et on arrive à guérir la grande majorité des enfants et un, un peu moins chez les adultes. Les rechutes arrivent quand même dans 30 à 40 des cas euh, chez les adultes. Et euh, le traitement est, est plus compliqué dans ces cas-là. L'objectif de ce projet de recherche, c'est justement de pouvoir bah, mieux cibler les patients qui risquent de rechuter pendant le traitement de première ligne, et de pouvoir euh, essayer d'éviter bah, que ça arrive. Donc, pour améliorer euh, l'adaptation du traitement euh, pour chaque personne, on essaye de mettre en lien toutes les informations qu'on a dans des grandes cohortes nationales. Qui recueille à la fois ben, ce qui s'est passé pour le patient, quel traitement il a reçu et quel était son devenir, mais aussi toutes les données génétiques et moléculaires qui font partie des caractéristiques de la leucémie au diagnostic. Et c'est en faisant euh, le lien entre les deux qu'on peut ainsi identifier des patients à plus haut risque de rechute et pouvoir euh, guider un traitement qui serait euh, un peu différent pour ces gens-là. Donc, à partir de ces données qui sont euh, très riches, on utilise différents modèles statistiques pour pouvoir évaluer l'impact de chaque anomalie moléculaire et sélectionner celles qui sont vraiment très importantes et qui peuvent nous permettre de guider la stratégie thérapeutique. Alors la finalité de la recherche, elle est double. Elle est euh, d'une part pour les scientifiques et les médecins de mieux comprendre les déterminants de cette maladie euh, complexe et multifactorielle en tout cas les déterminants du pronostic et qu'est-ce qui fait qu'il y a des patients qui ont un meilleur devenir que d'autres Et elle est aussi pour une aide auprès des médecins qui vont traiter les malades à choisir un peu ce qu'on appelle stratifier la thérapeutique, c'est-à- dire choisir le traitement en fonction du pronostic prédit du malade et à proposer pour des patients pour lesquels on, on identifie que le pronostic est sans doute moins bon à identifier des traitements euh, plus à Agressif. Et on est vraiment à l'aube d'une médecine dite de, de précision où chaque patient, au moment du, du diagnostic, va se voir attribuer du fait du profiling qu'on pourra faire de sa, de sa tumeur, un traitement qui sera basé soit sur la chimiothérapie, parce que dans les leucémies aiguës, la chimiothérapie peut guérir 95% de certaines formes de leucémie. Quel patient va bénéficier de telle thérapeutique ciblée, de telle immunothérapie et éventuellement un traitement complémentaire par la greffe pour pouvoir faire ma thèse, j'ai eu besoin d'être financé pour euh, ces euh, deux à trois ans euh, que je vais passer à faire euh, que euh, de la recherche en biostatistique. Et donc, euh, la FRM me finance et me, me permet d'avoir un poste au sein de l'INSERM pour faire ma thèse. Il y a beaucoup de recherche qui est faite en cancérologie, mais il y a beaucoup de choses encore à faire pour pouvoir intégrer tout ce qu'on a découvert en sciences sur le cancer, mais qui ne sont pas encore toujours arrivés en pratique clinique. On a besoin d'encore travailler là-dessus pour pouvoir adapter les thérapeutiques, pour pouvoir trouver la place des traitements ciblés. Et ça, c'est encore beaucoup de travail de recherche. De retour sur le plateau de Checkpoint, merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous regarder. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui témoignaient dans le chat de proches qui sont décédés du cancer et qui avaient du coup des choses à nous dire et à nous apporter sur la lutte contre cette maladie. Merci à vous d'être avec nous. Merci pour vos témoignages. On est toujours sur ce plateau avec Laurent, Fatima et Valérie pour parler de la lutte contre le cancer et de la recherche. Surtout, on a vu cette vidéo impressionnante Loïc, qui est financée par la FRM pour un travail. Travail qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les leucémies. Oui, tout à fait. C'est impressionnant, voilà. Oui, c'est impressionnant et c'est, euh, bah, ça fait partie hein, de, du, du type de, de, de projet qu effectivement qu'on peut soutenir la LFRM à la croisée effectivement de cette thématique euh, cancérologie, un travail euh, de biostatistique essentiel pour pouvoir effectivement guider le, les choix euh, des thérapies et puis et puis euh, et puis en même temps, voilà, on aide un jeune médecin hématologue à, à se mmh. former à la recherche. Et, euh, mm. et c'est une de nos... Ben euh... oui. C'est chouette, c'est ouais. vraiment, vraiment impressionnant. C'est un bel exemple, oui. C'est un bel exemple, effectivement. Euh, donc lui, il travaille sur, euh, on en parlait, le diagnostic, le, le dépistage euh, du cancer. Mais la question, c'est aussi celle du traitement. Euh, est-ce qu'on on progresse aussi, est-ce que la recherche euh, scientifique progresse sur la, euh, la question des nouveaux traitements On a un petit peu parlé de l'immunothérapie mm. euh, et des combinaisons même d'immunothérapie, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Oui, oui c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on, on a des, des, des branches d'immunothérapie qui sont parmi les plus, euh, comment dire, les plus, les plus utilisées en fait en, en traitement, mais on sait maintenant qu'il peut y avoir aussi des mécanismes de résistance même aux, aux immunothérapies, et donc l'idée c'est de proposer aussi de nouvelles immunothérapies euh, et, et, de, et de cibler en fait aussi les cellules qui sont impliquées dans les résistances aux immunothérapies. Donc en fait, la recherche euh, et c'est pour ça. Que je mentionnais en fait le programme que l'on fait et pour lequel j'ai reçu notamment un prix de la FRM et je vous en remercie encore beaucoup mais l'application en fait clinique que je mentionnais au tout début de c'est pour lutter contre des cellules qui ne sont pour l'instant pas ciblées sur le plan thérapeutique et qui interviennent dans la résistance aux immunothérapies et donc l'essai clinique qu'on développe à l'heure actuelle à l'Institut Curie avec le professeur François Clément Bida est véritablement pour Tenter de réduire fortement les résistances secondaires qui, arrivent, euh, euh, contre les enfin, qui, qui, qui se développent euh, au moment des traitements des, des, avec les immunothérapies. C'est impressionnant. Laurent, toi aussi, euh, euh, tu travailles ou tu, tu collabores à des recherches sur des traitements Alors, oui, en, en l'occurrence aussi sur les immunothérapies, parce qu'il ouais. y, y a un vrai engouement sur ce type oh. de. De, de, de thérapie, mais euh, sur d'autres types aussi. Ce que, je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est cette notion de combinaison. cest dire on parlait tout à l'heure de, de, de l'effet cocktail pour les facteurs de risque. Il y a aussi un effet cocktail en fait pour les, les thérapies. Et donc probablement que l'avenir va venir euh, Va, va se diriger vers des combinaisons de thérapies, y compris d'immunothérapie ou de combinaisons d'immunothérapie avec d'autres types de thérapies. C'est déjà en clinique sur ouais. certaines formes de tumeurs. On essaye justement de, 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 de masquer un petit peu les mécanismes de résistance qui pourraient être soit intrinsèques, ce qu'on en parlait tout à l'heure, les mé mécanismes primaires de résistance, voire ceux qui vont apparaître au fil du temps. Et c'est un peu, un peu comme la, la lutte un peu contre les, les micro-organismes avec euh, oui. ces mêmes notions de résistance aux, 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 aux antibiothérapies. C'est un petit peu la même, la même logique scientifique en fait, qui est derrière. Euh, J'ai entendu parler de la piste des vaccins thérapeutiques. Alors, moi, les vaccins, je me souviens, le Covid, tout ça, euh, les vaccins, c'est censé être préventif. Mais la subtilité, il existe aussi des vaccins qui sont utilisés pour soigner. Comment ça marche alors, avant de parler de ça, parce que Alors. ça, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau, il faudrait peut-être faire aussi un, un petit rappel à la, à la, à la population générale sur l'intérêt de ces vaccins tout court préventifs. Oui, vas-y. C'est-à-dire oui. que certains, euh, certaines formes de tumeurs euh, sont, on le sait, liées à des, à des virus qu'on appelle des virus oncogéniques, c'est-à-dire qu'ils ont la, 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 la capacité à induire des tumeurs, pas forcément chez tous les patients qui vont être infectés, mais dans une proportion non négligeable de ces gens qui sont infectés, vont pouvoir développer des, des, des tumeurs, des dizaines d'années d'ailleurs plus tard. L'exemple même, c'est le virus du papillome, hein, pour lequel on a un vaccin, et un vaccin qui est extrêmement efficace. Et donc là, il y a une vraie campagne de prévention autour de la vaccination contre le virus du papillome, qu'il faut absolument, je veux dire... Euh, 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 faire, et le faire tôt, c'est-à-dire qu'il est d'autant qu plus efficace qu'il est fait tôt chez les, chez les adolescents, quoi. et les adolescentes, donc c'est à la fois les, les, mmh. filles, les filles et les filles garçons, garçons qui sont concernés par cette vaccination-là, et il faut vraiment ne pas tomber dans cette, dans cette paranoïa qui n'a pas lieu d'être sur, le, 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 sur cette problématique de vaccination, parce que là, c'est vraiment un exemple type, je vais vous donner un, un, une illustration de ça, en Australie, où la, le suivi de cette vaccination contre le papillome est de l'ordre de 90%, ils ont quasiment, éradiquer ouais. cette, ce type de tumeur de ce continent-là. Ouais. Donc, on voit vraiment là, on a un exemple même d'un de, 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 effet vaccinal, là, de prévention sur un type tumoral qu'on est capable d'éliminer littéralement, je veux dire, de, et rayer de la carte. Quoi. Donc, une là encore, impressionnante, le, mais... le message, il est faites-vous vacciner, je veux ouais. dire, et vaccinez vos enfants. Sur le papillome, euh, ok. Et la probabilité de mourir d'un cancer du col de l'utérus ou euh, oui, oral, et la sphère, hein, oui, ou, et la sphère, et sphère orale, c'est oui. pour ça que c'est important aussi oui. que les, les, garçons les garçons se, se vaccinent, est oui. euh, beaucoup plus grande que la probabilité d'avoir une pathologie associée à la vaccination. Je pense qu'il faut vraiment voir l'avantage euh, pour la, pour même pour en tant qu'être humain. Après, ça reste une décision personnelle, hein, mm. mais je pense que véritablement là, on ne peut en fait que nous avoir des arguments en faveur de faites-vous vacciner. C'est vrai aussi pour les cancers du foie avec, euh, avec l'hépatite B. C'est vraiment. Je veux dire, la probabilité de mourir d'un cancer du foie quand on n'est pas vacciné contre HBV est vraiment très importante. Donc, ça, vraiment, effectivement, oui, ça, ce, sont des, ce sont des vaccins qui concernent tout le monde, qu'il faut, euh, faut se faire vacciner. Euh, pour ça, il y a d'autres vaccins qui concernent beaucoup moins de monde, mais sur lesquels il y a beaucoup de recherches. Ce sont ces vaccins thérapeutiques. Pouvez Vous pouvez m'en parler un peu C'est quoi cette technologie Alors Moi, je n'ai pas énormément de, de, de recul et d'expérience ah. sur ce sur type de, 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 Donc, de... Là, tu, tu veux parler aussi des carticelles et, et ce genre de choses Je ne sais pas ce que c'est les carticelles. On en a parlé en réunion, alors, mais je ne sais pas. De toute façon, okay, on va essayer de faire simple. En fait, les carticelles, quand on a une tumeur, les cellules cancéreuses, tu sais, elles portent des marqueurs. Mais il y a des fois, il n'y a pas un marqueur qui est global pour une population donnée. Donc, en fait, on va analyser euh, un marqueur qui va être pour un patient. Et donc, pour tenter en fait, de lutter contre les tumeurs de ce patient, on va lui prendre ses cellules immunitaires, qu'on va lui faire in vitro reconnaître un antigène tumoral, et puis on va lui réinjecter en fait son système immunitaire, en l'occurrence des lymphocytes T, c'est pour ça qu'on parle de CAR T cells, et on va en fait, ça va lui permettre, ça doit lui donner plus de chances que ces cellules lymphocytaires aillent tuer les cellules tumorales qu'elles vont reconnaître de façon plus efficace. D'accord. Donc c'est du sur-mesure c'est du sur-mesure. Ah oui, 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 c'est des thérapies qui sont véritablement ciblées avec et qui utilisent les cellules du patient euh, pour pouvoir en fait vraiment leur donner la force et l'efficacité d'aller lutter contre les cellules tumorales. Et sur quel type de, de cancer est-ce que c'est utilisé maintenant Alors, c'est très efficace dans les cancers, les, du les cancers du sang. Et, les... et c'est pour l'instant assez peu efficace dans les cancers dans les les solides. Cancers solides. Mmh. Et l'idée, effectivement, est d'essayer de comprendre pourquoi c'est vraiment si peu efficace dans les cancers solides. De façon globale, c'est souvent parce que, là encore, dans notre système de caméléon euh, dominant, en fait, ces euh, cellules tumorales réussissent à masquer les antigènes et en fait ne sont pas bien reconnues par les... Alors que les cellules du sang, finalement, les, les leucémies, visiblement, ne sont pas aussi... Euh, euh, enfin, on réussit à mieux traiter les, 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 les tumeurs euh, liquides. Une petite remarque en passant, cette révolution-là scientifique et médicale est aussi une révolution éthique. C'est-à-dire que pour la première fois, chez les patients cancéreux, on prend leurs propres cellules, qu'on vient modifier génétiquement et les réimplanter chez le même patient. Et ça, même du point de vue éthique, c'est une, une véritable révolution en fait. C'est très impressionnant. Euh... C'est pas encore euh, répandu. Je me rends pas compte. C'est quelque chose ah qui est si disponible si. Ah, si, ah, cest quand même En particulier dans les dans, dans les dans les traitements les de dans cancers, les cancers du sang. Oui. Du mmh. sang, oui. Mmh. oui, oui. Enfin, enfin, je dans je... les cancers solides, non, parce qu'effectivement, il y a un problème quand même aussi d'efficacité. C'est impressionnant. Du coup, mmh. qui, euh, en plus, c'est oui. un frein hein, oui. même. Dans le genre révolution, j'ai entendu parler des anticorps conjugués à des médicaments qu'on appelle les ADC. C'est mmh. quoi bah – En fait, c'est un moment, on l'a évoqué en fait tout à l'heure, notamment par exemple pour les anti-HER2. Vous avez en fait un anticorps qui va donc reconnaître le marqueur à la surface des cellules tumorales, là en l'occurrence le HER2, et qui combine en fait une molécule toxique. Et cette molécule toxique, elle est directement déversée à l'intérieur de la cellule tumorale après que le marqueur ait été reconnu. C'est clair <laughs> non, non, je, je, je... Parce que l'objectif, il est. Encore une fois, on utilise beaucoup de molécules qui sont assez toxiques. Mais j'ai souvent l'explication, le, le, enfin, une, il y a une explication simple aussi, qui est de dire c'est pas très difficile, en gros, de tuer une cellule cancéreuse. Mais le problème, c'est que vous tuez une cellule cancéreuse dans un organisme qui est normal. Donc si vous ne ciblez pas spécifiquement la cellule cancéreuse, vous allez avoir des effets secondaires qui vont être terribles. Et l'idée de ces anticorps, qui sont des anticorps qu'on arme finalement, ils sont armés mais ils sont spécifiques de la tumeur. Et donc c'est amener une molécule qui, des fois, n'a pas une spécificité terrible, si tu veux, pour la cellule cancéreuse. Mais parce qu'elle est ciblée avec cet anticorps vers la cellule cancéreuse, d'un seul coup, son effet de toxique va être évidemment euh, bah, plus important. Et puis surtout, on va éviter les effets secondaires qui peuvent aller si on avait administré la même molécule, mais de façon globale. Quoi. Euh, beaucoup de choses en tout cas on a parlé des biomarqueurs, on a parlé d'intelligence artificielle on a parlé des traitements euh, des vaccins, on a parlé des carticelles donc voilà, la recherche avance sur tous ces domaines là, c'est absolument passionnant parlons un petit peu du financement de cette recherche Valérie qui, qui, qui finance la recherche contre le cancer aujourd'hui, comment ça marche Alors le, les organi des, enfin, des organisations publiques et privées comme, comme la FRM bien sûr, et effectivement il y a, bah, je dirais qu'il y a, il y a enfin, déjà en France, il y a une, des forces de recherche dans le domaine de la cancérologie qui sont, qui sont extrêmement euh, enfin, présentes, compétitives, euh, des équipes reconnues à l'international et qui font vraiment un travail magnifique. Et là encore, on a, on a tout un continuum. Je, enfin, je pense que Laurent et Fatima vous compléteraient, euh, si je me trompe, mais les, quand même la, tout, tout ce qui concerne la recherche dite fondamentale, translationnelle et menées dans des laboratoires tels que les vôtres, donc qui dépendent d'organismes mm. euh, publics de recherche ou d'enseignement supérieur, typiquement INSERM, CNRS, etc., ou Institut Curie mm. ou mm. autres, et euh, que finance beaucoup la Fondation pour la recherche médicale. Euh, après, effectivement, il euh, euh, y a des, bon, également des, des recherches en épidémiologie, voire, euh, voire en, en, recherche, euh, en recherche clinique. En fait, tous les laboratoires euh, publics, en tout cas nous, c'est le terrain de jeu de la FRM, je dirais, oh. euh, tous les types de laboratoires sont, sont concernés de près ou de loin par, par ces problématiques. Même des laboratoires de chimie, par exemple, oh. chimie médicinale, qui travaillent avec des laboratoires de recherche biomédicale pour développer des nouvelles molécules. Thérapeutique, par exemple. Et je pense ouais. qu'on a On tous envie de compléter, là, ouais, parce ouais. qu'on va, <laughs> va se rejoindre ouais, ouais, sur les, ouais, sur les ça difficultés ça. Euh, communes qu'on qu vit au jour le jour. Mais tu avais commencé par nous demander euh, au tout début, en fait, quel était notre rôle, en fait, finalement, ouais. Euh, ouais. au sein d'un laboratoire. Ouais. Et ce rôle, il est en grande partie guidé par cette recherche de financement. Ouais. Une grande partie de notre temps est dédiée, en fait, à chercher de l'argent pour, pour faire fonctionner nos, nos laboratoires. Euh, une grande partie du fonctionnement de nos laboratoires n'est pas de l'argent qui vient directement de, du ministère dont on dépend, hein, celui de la recherche et, les, et euh, ouais. voilà. de l'éducation. Pour beaucoup de ces financements, viennent de, de fondations comme la FRM. Dans le domaine de l'oncologie, on a la chance en France d'avoir d'autres associations qui sont aussi fortes, la Fondation ARC ou la, ou la Ligue contre le cancer. C'est l'ensemble de ces guichets en fait qui nous permettent de fonctionner. Et une grande partie de notre travail, c'est justement d'aller soumettre des projets à ces guichets, de les faire évaluer. Et lorsqu'ils sont évalués positivement, ben effectivement, on, a, on reçoit un financement sur, sur plusieurs années pour pouvoir les, les mener à terme. Et retour yeah. des équipes de recherche, pardon, que Nous ouais. soutenons en fait, nous disent, euh, euh, si on met de côté effectivement le il si ne faut pas raisonner en budget consolidé, il faut vraiment mettre de côté le, le salaire des, des chercheurs oui. permanents, parce que là, on, mmh. on comparait des choses incomparables, mmh. mais... Pour faire tourner les, les équipes, en fait, euh, moi, vous je, allez je, chercher... Moi, je ah, donne est souvent ça. un chiffre, en fait, à, 80, qui, à mon sens, 80, qui est... 80-90%. Est... Exactement. C'est le chiffre que je donne, ce qui que vous... je donne souvent pour, donner, pour illustrer, en mm -hmm. fait, la, la, la difficulté de faire fonctionner ces laboratoires académiques, publics. Hein, public. Mm -hmm. hein, oui, C'est public, hein. public, oui. que euh, le chiffre, il est à peu près ça. C'est euh, 90% du budget de fonctionnement. On doit aller le chercher à travers mm -hmm. ces appels d'offres oui. ou oui. ces demandes de financement. C'est énorme. Évidemment, énormément. D'où l'importance, en fait, des dons qui sont faits parce que, finalement... Notre recherche à nous et qui est, comme tu le dis, merci beaucoup, euh, internationalement reconnue. Elle est certes basée sur certains fonds, fonds publics, mais beaucoup sur les dons, sur les dons qui oui. sont faits en fait. Euh, et, et donc vous nous aidez en fait quand vous alimentez notre recherche, vous nous aidez en fait à pouvoir aller plus loin. Donc, quand merci. on parlait, quand on préparait cette émission, Laurent, on discutait aussi du coût de la recherche et du coût des nouveaux traitements. Ouais. On se souvient il y a quelques années du, du, en, de la polémique en France sur le coût des traitements contre l'hépatite C. Euh, un traitement qui fonctionnait, enfin, mais par contre qui coûtait horriblement cher euh, ouais. euh, la pilule. Quoi. Donc, donc ça, ça a été de toute façon depuis des, des décennies, hein, depuis l'émergence de ces thérapies ciblées, puis de ces immunothérapies, maintenant des, des carticelles. Des carticelles. Le, le, la problématique financière de, 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 de ces traitements devient de plus en plus aiguë, euh, sans donner de chiffres très précis. Un traitement d'un seul patient par quartier, c'est plusieurs par centaines de milliers d'euros, hein, donc il faut se rendre par compte. Patient. Hein, par patient Par patient. Donc ça donne un peu l'échelle le, le, en fait de, 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 de ce type de, de, de problématique-là. Et donc on se rend bien compte évidemment que si on était amené à, à, à traiter tous les patients par ce type de, de, de traitement-là, que le système s'effondrerait évidemment dans... Et il y aurait peut-être des économies d'échelle, je ne sais pas. Je... C'est toujours ce qui se fait. Et c'est le cas oui, aussi ça. pour le... Pour l'hépatite. Pour, pour c'est exactement oui. ce qui s'est passé. Hein. Donc euh, on peut évidemment euh, espérer qu'il y a une économie d'échelle qui va se faire. Ceci étant dit, cette technologie-là est tellement difficile à mettre en œuvre techniquement, puisqu'on on vous a expliqué oui. que c'est vraiment... C'est du génie génétique, c'est-à-dire qu'on prend des cellules, on les modifie euh, génétiquement et on les réimplante. Donc vous pouvez imaginer un peu la, la difficulté opérationnelle de ce type de, de, de traitement euh, par comparaison à l'administration d'une chimiothérapie euh, en intraveineux ou en, ou en oral. Évidemment, vous voyez bien qu'il y, y a un fossé en termes de, de difficultés quoi, et donc de coûts. Donc pour l'instant, c'est. Ces thérapies-là, parce que je m'imagine que tous les toutes les personnes qui, qui nous regardent doivent se poser la question si c'est aussi efficace, pourquoi est-ce qu'on l'administre pas à tout le monde Mais évidemment, c'est notamment lié au fait qu'il y a un tel coût que c'est spécialisé, c'est dédié à un, à un type de patient dans une situation médicale donnée, de façon à maximiser les chances, ouais. mais que ça ne peut Et pas, pas aujourd'hui. La France être est, est suffisamment France équipée en matière de, de, de production de. Tu vois, Alors, de production. ce qu'il faut savoir, c'est que la production en fait ne se fait même pas en, en fait France. En, en France. Oui. Faut, je ne sais même pas si elle se fait en Europe. Je, ma, ma, en tout cas, peut-être récemment, maintenant, ça a commencé à être produit en, en Europe. Mais les premiers traitements CARTI en fait, étaient des ouais, traitements ouais. qui étaient. Les cellules étaient envoyées aux États-Unis et ça. puis renvoyées ouais. ensuite en France. Ouais. Hein, donc. Euh, bon, en tout cas, le gouvernement, le président de la République a annoncé une véritable volonté politique de souveraineté médicale depuis le Covid. On verra, non, mais on verra, à ce sujet-là, euh, non voilà le Doliprane, coucou, c'est pas le Doliprane, pas le Doliprane. Ça, ouais. mais euh, qu'est-ce que je voulais dire, euh, non mais puisqu'on en parle, euh, en ce moment au Parlement, on est en train de parler du budget, il y a des engueulades, des grosses engueulades, et puis ça annonce quand même assez régulièrement des coupes budgétaires dans un certain nombre de domaines. Y a-t-il des inquiétudes de la part des chercheurs et des chercheuses euh, qui font de la recherche médicale sur le financement public euh, oui, oui. Alors, en tout cas, oui. à, la, à la Fondation. Personnellement, oui, je suis inquiète. Ça ne date pas d'hier, mais oui, je sais, tout, tout le monde est inquiet. Euh, et ça ne date pas d'hier. La France n'investit euh, investit pas suffisamment dans son appareil de recherche, et tout particulièrement dans le domaine biomédical. Euh, et voilà, au euh, regarde les enjeux, euh, des enjeux, des enjeux de, de, de santé, de société, euh, face au vieillissement de la population. Euh, voilà, c'est insuffisant. C'est insuffisant, et... Euh, euh, et on a des, Oui, on a des raisons d'être euh, inquiets. Ouais, on est très par jours, rapport à. Fatima. Oui, parce que d'autant plus que les coûts de la recherche ont totalement ouais. explosé. – La aussi. biologie moderne La coûte biologie très moderne, très moderne ouais. coûte oui. extrêmement cher. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais d'une tumeur de 100 000 cellules ouais. à analyser. En fait, chaque cellule coûte 1 euro. Donc, si tu veux 100 000 cellules, ça te fait 100 000 euros donc si tu veux c'est juste du délire tu vois donc et évidemment il nous faut analyser plusieurs patients il nous faut analyser comme on le disait dans le temps au cours du traitement donc en fait si tu veux et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à chercher de l'argent pour alimenter nos projets de recherche pour mieux comprendre et donc mieux appréhender les thérapies de demain. Parce que c'est vraiment notre but, en fait, mmh. euh, à nous. L'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux soigner. Et, et donc, du coup, on a besoin d'avoir cet argent pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir mieux guérir demain. Moi, j'utilise souvent ouais. une formule un peu choc pour illustrer ça c'est que je ne fais pas la recherche que je veux, je fais la recherche que je peux me payer. Et ça, pour ça, tu as besoin du financement euh, de l'État pour partie et euh, d'acteurs privés et, et de fondations oui. comme, comme, comme la FRM. Euh, à suivre de près, donc, les crédits accordés à la recherche euh, dans ce budget et dans les, euh, et dans les suivants. Euh, J'avais une dernière question à vous poser, euh, un peu naïve, mais en fait, vous bossez comment Pour moi, c'est un peu un trou noir. Le, le, les laboratoires de recherche, vous, vous êtes avec des pipettes ou vous avez des ordinateurs la plupart du temps vous travaillez de manière internationale ou c'est vraiment franco-français Comment vous faites Comment ça marche Ah non, nous, on est à, à l'international, on a des collaborateurs internationaux. On a des, des, des gens qui manipent hein, avec. Ouais. Euh, nous, on, on, on étudie des cellules primaires dérivées des patients, etc. Et on a. Beaucoup d'ordinateurs parce qu'on fait beaucoup d'analyses bioinformatiques, statistiques. Donc en fait, c'est vraiment de la recherche interdisciplinaire, internationale, mais également interdisciplinaire au sein du labo. On accueille des médecins, on accueille des chercheurs étrangers, on accueille dans nos laboratoires. On est effectivement interdisciplinaire et international. Laurent, toi aussi, c'est exactement la même chose, bien évidemment. Les, la, la science et la, la recherche. Sur le cancer est un exemple, mais comme toutes les autres disciplines scientifiques, est par essence, de toute façon, internationale. Et c est, c est, elle se nourrit de l'échange. Et on disait qu'on accueille des, des, des chercheurs étrangers chez nous, mais au même titre, on nous aussi, à aller se former, je veux dire, dans les grandes universités à l'étranger. Et c'est cet échange-là qui, qui nourrit évidemment ces, ces projets de recherche. Euh, si vous avez déclenché des vocations aujourd'hui, c'est possible, euh, quelles sont les études qu'il faut faire pour faire de la recherche médicale sur le cancer alors elles peuvent être assez variables, hein, comme je le dis. Ah, elles ouais. peuvent être, euh, on peut faire de la médecine et arriver en recherche. On peut faire aussi de la, de la biologie, en oui. fait, par différents. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est ensuite faire une thèse. Ça permet en fait d'intégrer dans un premier temps un laboratoire, voir si on aime ça, l'appétence, le fait de, 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 de poser des questions, d'essayer d'y répondre, etc. Ensuite, il faut faire un, ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc souvent, ça se fait à l'étranger. Et ensuite, quand on revient, soit on refait un deuxième post-doctorat en France, et ensuite on est intégré dans un organisme de recherche en tant que chercheur. Mais donc, on fait plein de recherches avant de devenir même chercheur statutaire. Et c'est ça qui est important. Bon, et on a vu tout à l'heure la vidéo de Loïc, ce jeune chercheur qui, qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui est en thèse, donc absolument, absolument passionnant. Euh, J'ai une dernière question à vous poser avant de conclure cette émission. Euh, Est-ce que monde sans cancer, c'est possible alors moi j'aimais bien ton titre parce ouais. que c'est pas exactement... Parce que justement, je pense qu'on un... a une augmentation, on a une recrudescence des cas de cancer là, dans les dernières années ouais. avec tout ce dont on a discuté. Donc je pense qu'un monde sans cancer n'est pas véritablement envisageable. Mais par contre, un monde de cancer maîtrisé et guéri est possible. Et c'est ça ce vers quoi on essaye de tendre. Laurent, tu partages cet enthousiasme alors, je, je partage le, le, le sentiment de Fatima qu'on, comme on n'aura jamais un monde sans, sans infection, je veux dire, où on éradique certaines, d'autres prennent le pas. Ça sera vraisemblablement le cas aussi pour certaines formes de cancer. Mais là où je rejoins Fatima, c'est qu'effectivement, on se dirige vers la chronicité, en fait, de cette maladie. Cette maladie dont on énormément de gens mourraient de façon systématique. On arrive maintenant à la chroniciser. Il y a des gens qui vont mourir d'autres choses que leur cancer et qui seront toujours pour autant des, des patients cancéreux, mais qui arriveront à vivre en fait, avec cette maladie pendant des décennies et des, des décennies et de façon, euh, voilà, sans avoir trop de difficultés au jour le jour. C'est effectivement ce qu'on souhaite euh, à, 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 à toutes les personnes qui ont été euh, diagnostiquées. Euh, on, a une, on a une petite vidéo euh, sur le thème de l'importance de la recherche dans la lutte contre la maladie. On la diffuse, on en parle juste après. Dans 2019, j'ai appris que j'avais la maladie de Charcot. Et à ce moment-là, ma vie est complètement basculée. Je sais que ce n'est pas une question de si un jour on va trouver des traitements. On va trouver des traitements, mais ça prend du temps. Donc il faut être patient. Et en tant que patiente, je ne suis pas très patiente. Je veux que ça arrive. Bob, j'ai envie de. Plein de choses et je sais qu'aujourd'hui, l'espérance de vie n'est pas terrible. Aujourd'hui, grâce à la recherche médicale et notamment euh, sur les maladies cardiovasculaires, j'ai pu être sauvée euh, grâce à la pose d'un stent, puisque la technologie du stent est quand même euh, assez récente, puisque ça date d'une vingtaine d'années. La recherche médicale, elle met dans le sens où euh, bah, aujourd'hui, elle me permet euh, d'avoir un petit traitement avec très peu d'effets secondaires et qui me permet, et je pense que c'est ça le plus important, de vivre normalement. Au point où j'en étais... <laughs> J'étais d'accord pour, pour, essayer, pour essayer quelque chose de nouveau. Cette première biothérapie, elle a fonctionné dans mon cas pendant 12 ou 18 mois. Puis les symptômes anciens sont revenus. Et donc là, ma pneumologue m'a proposé de tester une deuxième biothérapie. Elle a fonctionné elle aussi pendant 12 ou 18 mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai testé une troisième biothérapie qui, elle, a très bien fonctionné. Et qui, pour le coup, vraiment, a changé euh, ma vie. La schizophrénie, on n'en guérit pas. Donc aujourd'hui, ça stabilise, mais on n'en guérit pas. Et peut-être trouver un traitement qui serait un peu plus affiné euh, pour pouvoir justement euh, créer silence aussi autour de soi. On pense que ça arrive aucun aux autres, et finalement, le jour où ça nous arrive, on ne pense pas que c'est nous, et ils nous disent T'as un cancer et tout. La recherche médicale l'a aidé à mettre en place un protocole spécifique pour ce, ce cancer et bénéficier de ces traitements aussi pour pouvoir ben, combattre ce, cette tumeur. La thérapie ciblée a été une, une chance incroyable. Moi, j'ai pu bénéficier d'une thérapie qui correspond exactement à mon cancer, donc qui permet effectivement d'avoir réduit mes métastases, ma tumeur et d'être encore là. C'est elle qui me sauve totalement. Sans cette thérapie ciblée, je ne suis pas sûr que je serais encore là. Alors en moyenne, ça dure 5 ans. Après, aujourd'hui, ils sont incapables de me dire ce qu'il y aura. C'est la recherche qui fera que j'aurai quelque chose à suivre. Il y a des études cliniques en ce moment, il y a des choses sur lesquelles ils travaillent, des nouvelles thérapies. C'est grâce à ça qu'on. Que oui, euh, au-delà des 5 ans, je pourrais avoir un avenir euh, et je m'accroche à ça. Sans ce protocole, en fait, de nos jours, euh, maman, elle serait où Elle serait encore là Elle serait en foyer Elle serait placée Je pense qu'on doit tout à cette recherche, quoi, en fait. C'est grâce à la recherche médicale que j'avance dans la vie à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup encore à tous les soignants et tous ceux qui travaillent pour. Voilà un message plein d'espoir de la part de ces patients euh, qui nous invitent à voilà, prendre soin de la recherche médicale. Je tiens à vous remercier, vous dans le chat, tout au long de l'émission, vous avez témoigné, posé des questions de manière extrêmement intelligente et cordiale. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné de manière très touchante sur le cancer qu'ils subissent directement ou que subissent leurs proches. Euh, je tiens à vous remercier, Laurent, Fatima et Valérie. Pour cette émission checkpoint euh, exceptionnelle euh, n'hésitez pas à retrouver la fondation pour la recherche médicale sur son site internet mais aussi sur ses réseaux sociaux euh, insta, insta twitter mais aussi linkedin n'hésitez pas à les suivre pour avoir beaucoup plus d'informations sur l'actualité de la recherche médicale merci à vous c'est la fin de cette émission de checkpoint je vous souhaite une très bonne fin de journée à très bientôt au revoir merci. au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.